Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport Mag. On est là aujourd'hui pour commenter la demi-finale du championnat de France élite de football américain. Match qui déterminera la place en finale pour le casque de diamant entre les Black Panthers de Thonon et les Pionniers de Touraine. Je suis aujourd'hui avec Brice pour commenter le match. Brice, dis-moi, comment va se passer ce match? Ils se sont rencontrés déjà deux fois, parle-nous un peu des deux équipes. Alors bonjour à tous, donc je pense que voilà, on a deux quarterbacks américains, la balle va être dans les airs, on sait qu'il y a Nicolas Kandar, c'est le facteur X de ce soir, il marque tout le temps à tous les matchs, il a 5 touchdowns de moyenne, il court à chaque fois, il prend 10 yards, donc ça va être un facteur X. Chez les Pionniers, on sait que voilà, je viens de le dire, donc quarterback américain, la balle va être dans les airs, malheureusement ils n'ont pas leur meilleur receveur, mais attention à eux, à la passe, les BP vont devoir faire attention, et puis ils ont beaucoup de blessures, donc on va voir comment ils vont gérer ça. Donc plutôt un match offensif pour toi Brice, donc les défenses vont avoir fort à faire aujourd'hui et il va y avoir beaucoup de points. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de points, la balle sera dans les airs. J'ai parlé des blessures, il y a le facteur blessure qui va rentrer en compte. Donc on va voir comment les coachs vont gérer ça. Est-ce que le gars qui est précédent va réussir à faire son job? Ça va être les clés du match. Bon, ça devrait être un beau match de football, une place en finale. Donc que du beau plaisir et en plus il fait beau, il fait chaud, c'est parfait pour une demi-finale. Et ben on vous retrouve. Bon voilà, donc on attend les deux équipes qui vont rentrer sur le terrain. Normalement les Pionniers devraient rentrer en premier pour ensuite laisser la place aux locaux, les Black Panthers de Thonon, qui devraient nous offrir une entrée spectaculaire. Pour l'instant vous avez le show des cheerleaders. Brice, parle-nous un petit peu du match. Comme on l'a dit tout à l'heure, on sait qu'on a deux grosses équipes, qui sont arrivées là, ils sont pas arrivés là par hasard. Deux grosses attaques, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce match? Beaucoup de points. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sport Mag et sur le YouTube de la Fédération. Oui, voilà, comme tu l'as dit, comme on l'a dit en avant-match, deux équipes avec des quarterbacks américains. Si on prend un quarterback américain, c'est pour lancer le ballon et du coup marquer beaucoup de points. On sait que les Pionniers, félicitations déjà à eux pour ce parcours qui est quand même incroyable. Ils sont promus de D2, donc ils viennent de monter en D2 et ils finissent en demi-finale. Donc c'est déjà un parcours très impressionnant. Maintenant, ils affrontent les BP qui sont clairement favoris. On va pas se mentir, ils sont à domicile. Ils sortent sur un gros match face à Schwabischol, qui est une des meilleures équipes d'Europe. Même si Schwabischol est diminué, ça reste une organisation incroyable. Et ils ont quand même battu assez facilement cette équipe. Donc voilà, maintenant ils sont face à ce grand mur qui est les Black Panthers chez eux. Donc ça va être compliqué pour les Pionniers, mais ils ont des cartes à jouer. Oui, c'est vrai qu'on peut le rappeler, effectivement, les Black Panthers donc, sont en demi-finale du championnat élite et sont surtout déjà en finale du championnat CEFL, qui est un petit peu la Coupe d'Europe du football américain, contre le Flash, donc une finale 100% française. C'est assez rare, je ne suis pas sûr que ça soit déjà arrivé. Ou alors dans les temps immémoriaux. mais donc effectivement ce match va être un petit peu particulier pour les Black Panthers. On espère qu'ils n'ont pas déjà la tête en finale, parce qu'il ne faudrait pas sous-estimer quand même ces Pionniers qui effectivement ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont gagné leur place face au Molosse la dernière journée du championnat avec une belle victoire. Ils sont ensuite allés chercher cette place en demi-finale chez les Ours de Toulouse, avec un début de match, une première mi-temps très serrée, pour ensuite être un peu plus gagner le match. Donc effectivement, il ne faudra pas pour les Black Panthers prendre ce match un petit peu à la légère. C'est ça, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, toujours le respecter. Mais maintenant, les Pionniers vont devoir sortir le match de l'année. Et je pense que c'est comme ça les playoffs, hein. Il faut à chaque fois sortir le meilleur match de la saison pour vaincre entre guillemets l'adversaire. Et voilà, j'en ai parlé rapidement. Mais il y a pas mal de blessures des deux côtés, mais surtout côté Black Pay. On a des gros cadres de la défense comme Dorian Pain ou encore le fameux, pour moi, le meilleur linebacker de la ligue, le numéro 52 qui est blessé aussi. Donc ça peut être aussi des paramètres à prendre en compte en défense. Il y aura peut-être des trous qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà comment les Pionniers peuvent réussir à avoir des opportunités et surtout il faudra profiter de ça. Tu vois. Alors on va voir le tableau de ces deux demi-finales pour accéder donc au casque de diamant. Donc le premier match est celui-ci, que nous sommes en train de commenter, donc les Thonon Black Panthers contre les Pionniers de Touraine. Et puis juste après, à 20h45, à Marseille, il y aura donc la deuxième demi-finale, le Flash de la Courneuve face
face au Blue Star de Marseille, qui se jouera à 20h45 à Marseille. C'est ça. Un Paris-Marseille, c'est ça. comme on aime. Ces deux clubs ne se sont jamais rencontrés. Donc ça va être un beau match. Là aussi, on attend encore beaucoup de points. Deux belles équipes, les Blue Stars sont invaincus, ont une défaite c'est d'ailleurs ça, une défaite. Au championnat. Les Flash ont aussi une défaite et un match nul, les deux, la défaite et le match nul contre les Black Panthers. Donc là aussi ça va donner un très beau match. Ah oui, contrario à ce match-là, c'est deux QB français qui devraient démarrer, donc ça va être aussi intéressant, on va voir la formation des deux équipes. Voilà, on forme les QB et puis on espère qu'il y a de la réussite et de la performance, et puis là du coup on va pouvoir suivre ça. Vraiment ça va être intéressant de voir ça. On sait qu'ils ont aussi un très gros run, FG Pion qui est juste derrière Nicolas Kandar au niveau des stats, au niveau de Marseille. On a Adrien Linda qui est très dangereux, un joueur qui joue en défense, en attaque, il joue quarterback, il joue un peu partout, c'est l'homme à tout faire de Marseille. Et puis on sait qu'ils ont une escouade offensive et surtout des receveurs vraiment très bons. Et voilà. Ouais, ce qu'on appelle un X-Factor un petit peu. D'ailleurs, on va voir les X-Factor de ce match pendant que nous avons l'hymne de la Savoie, visiblement. Donc on va avoir les X-Factors de ce match côté Black Panthers et côté Pionniers qui sont à la même position étonnamment. donc on s'attend à avoir un jeu de course des deux côtés. D'un côté on a Nicolas Kandar, on en a reparlé, effectivement, qui fait une saison monstrueuse en termes de statistiques, qui est le premier en termes de stats au niveau du rushing yard, les yards à la course. Donc il a 984 yards avec une moyenne de 8 yards par portée, 21 TD. C'est la puissance offensive des Black Panthers. On a pu remarquer aussi un petit peu en refaisant l'historique des matchs et les statistiques qu'effectivement dès que Nicolas Kandar est un petit peu en dessous, alors un petit peu en dessous de ses critères à lui, hein. Donc dès qu'on dépasse pas les 150 yards, on sent que les Black Panthers ont un peu plus de mal. Alors qu'ils devraient avoir, de par leur QB américain et leur tight end, des facilités malgré tout. Mais on constate que dès que... On va pas dire qu'ils performent pas, mais dès que c'est un peu plus compliqué ou dès qu'ils arrivent à verrouiller la course, bah les Black Panthers ont un peu plus de mal, font des matchs plus serrés. Bah moi je pense que quand tu as un joueur comme Nicolas Kandar ou même comme Peyo ou des joueurs comme FG Pion ou François Brémond, en fait tu deviens un peu dépendant et tu t'habitues à sa performance. Donc du coup tu te dis, je sais que j'ai cette clé là, j'ai ce joueur là, il peut me débloquer des situations. Tu deviens un peu dépendant et c'est des fois un peu dommage, et c'est pour ça qu'il faut vraiment diversifier son jeu, surtout quand on rentre dans les phases finales en play-off où voilà, le playbook doit être ouvert, on doit vraiment avoir un panel de jeux divers et on doit performer et pas seulement avec un seul joueur. Là on va voir si les Pionniers, la défense des Pionniers, on sait qu'ils ont une D-line qui était très attendue cette année. S'ils arrivent à stopper Nicolas Kandar, les Black Panthers vont devoir trouver une autre solution. On sait que le quarterback José qui est capable de courir, donc c'est aussi aux Pionniers de faire attention à toutes ces menaces là, ça va être compliqué pour eux. Alors justement on va lancer les interviews, on a interviewé le coach Larry Legault.
Brice, tu t'en es occupé, donc on va t'écouter. Bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Larry Legault, le head coach des Black Panthers. Comment vous avez préparé la semaine, la demi-finale élite? Bah, comme un autre match, hein, y a pas de recette miracle. On a eu deux semaines, les pionniers également, c'est une nouvelle saison. Voilà. Vous jouez également les matchs de CEFL, donc ça fait beaucoup de matchs, la récupération, ça va devenir un atout. Comment vous avez géré la récupération de vos joueurs? Bah, ça fait un mois qu'on a diminué l'intensité aux entraînements. On s'entraîne parfois sans épaulière. Parce qu'effectivement, c'est important de garder les joueurs le plus frais possible, même si parfois c'est compliqué. Mais on lance l'autre interview direct. C'est, comme on dit en Amérique, mort subite. Donc, il faut tout laisser sur le terrain. Vous regardez beaucoup de tapes généralement. Donc là, qu'est-ce que vous avez vu chez les pionniers que vous allez attaquer? Bah, des choses, mais bon, on verra. Okay, ça marche. Merci à tous. Oui, alors effectivement, Larry Legault l'a rappelé, depuis un mois, il s'entraîne de manière un peu plus soft en termes d'intensité, ce qui ne veut pas dire qu'il s'entraîne moins, bien au contraire, connaissant ce coach, ça m'étonnerait. Et effectivement, il peut y avoir du côté des Black Panthers un petit peu de fatigue accumulée avec tous ces matchs, parce qu'ils ont quand même eu trois matchs de championnat d'Europe, de CEFL. Les deux premiers matchs ont été assez serrés, assez compliqués, avec des scores assez serrés face à des bonnes équipes. Effectivement, le dernier match a été, face au tenant du titre, étonnamment beaucoup plus facile. Mais donc, à force, dans la saison, ça peut commencer à créer un peu de fatigue, et c'est là où on voit les petits bobos. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé très bien tout à l'heure, où on a déjà deux joueurs clés qui sont, disons, indisponibles. Non, c'est ça. Comme ceux qui suivent un peu le football américain européen, on sait que Shoah Bichol est une très grosse organisation, une très grosse équipe. On sait qu'ils ont perdu également beaucoup de joueurs qui sont partis en ELF et au Stuttgart Search, pour être plus précis. Pas mal de coachs, pas mal de joueurs. Donc on sait que l'effectif était diminué, mais une équipe n'a pas sous-estimé. En plus, c'était chez eux. Donc c'était un match quand même, un déplacement, je pense, avec beaucoup d'appréhension et... ils ont laissé des traces, parce que du coup il y a des blessés, il y a toujours des petits bobos, on joue jamais au football américain à 100%. Donc c'est ça qu'il faut gérer, c'est pour ça que j'ai demandé à Larry Legault sa technique. Par contre, il n'a pas voulu lâcher les petites infos croustillantes sur les points faibles, entre guillemets, des poignets. Ouais, il veut garder ça un petit peu secret pour préparer au mieux ce match, qui est un match décisif, hein, de toute façon, même si effectivement ils sont favoris, ultra favoris. Ça reste un match à enjeu, c'est un match qui tout double. On a déjà vu des matchs, que ce soit dans le foot américain ou dans n'importe quel sport, où le favori n'est pas forcément toujours le gagnant à la fin dans ces matchs à enjeu. Bah, on a vu le Flash la semaine dernière qui a failli se faire surprendre par les Grizzlies catalans. Effectivement. Donc comme quoi tout peut arriver. Donc faut pas prendre cette équipe pionnier à la légère. Mm-hmm. Ils sont pas venus comme on l'écoutera tout à l'heure dans l'interview du coordinateur défensif des pionniers, Brian Billy. Ils sont pas venus là pour rien. Hein. Donc ça va être intéressant, ça va être un beau match. On va voir l'entrée, là on voit les joueurs Black Panthers qui se préparent à faire leur entrée. Ah, ils sont déjà prêts, hein. Ils sont à domicile, hein. ils veulent en découdre. Ah bah ils veulent faire plaisir à leur public. C'est sûr. On rappelle quand même que l'année dernière, ils étaient finalistes. Ils ont perdu contre le Flash, donc il y a quand même une petite revanche à prendre. Bien sûr. Cette année, ils les ont battus ils les ont battus une fois, 21-14, il y a quelques semaines. Ils ont fait match nul ici même lors de la Week 5. Voilà, il y a quand même, encore une fois, une grosse rivalité entre ces deux équipes s'ils se rencontrent en finale du championnat élite. Auront déjà l'occasion de s'affronter en CEFL, comme on l'a dit tout à l'heure. Et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on pourra retrouver le Flash et Marseille à 20h45, juste après cette rencontre. Et vous aurez donc du coup ce soir, environ vers 23h, la finale élite qui va se dérouler le 1er juillet, il me semble. Exactement. Et si je ne dis pas de bêtises non plus, ça sera ici. Ce sera ici. Sachant que la finale CEFL se fera au Flash. Voilà, donc comme ça, un partout, la balle au centre. Tout le monde est content. Voilà, il n'y a pas de favorisés. Et là, on voit les pionniers qui s'ambiancent, qui montent un peu en pression. Justement,
Il faut qu'ils aillent chercher ce match, il faut qu'ils aient de l'agressivité, de la bonne agressivité, pour aller tout de suite créer les problèmes aux Black Panthers. Il ne faut surtout pas que les Black Panthers installent leur jeu, que ce soit leur jeu de course ou leur jeu de passe, parce que cela, sinon, ça va être problématique pour c'est les C'est ça, il faut vraiment rentrer tout de suite dans le match, faire le moins d'erreurs possible. Je le répète souvent, mais dans le football américain, il faut éviter d'avoir des flags, avoir des pénalités, entre guillemets, bêtes. Rester discipliné dès le début du match. Comme ça, on n'a rien à se reprocher. On a tout de suite l'entrée des pionniers de Touraine. Ah, et un petit peu de public pour le pionnier. Ils ont fait le déplacement, c'est bien. On voit. Voilà. Toujours le président qui est. Qui est toujours habillé aux couleurs de pionnier avec un costume. Pas évident à trouver, hein, d'ailleurs. Un costume rouge, une chemise jaune. C'est pas forcément les couleurs qu'on porte, mais c'est très bien. Et c'est très bien que le président fasse le déplacement, s'investisse autant. C'est important dans les clubs. On parle beaucoup des joueurs, on parle beaucoup des coachs, forcément, vu qu'on commande ce sport. Mais il ne faut pas oublier que les clubs vivent grâce à des bénévoles, grâce au président, grâce au bureau. Et c'est des gens de l'ombre, mais qui sont plus qu'importants. On va avoir l'entrée des Black Pays dans quelques instants. Les Black Pays qui vont nous faire une entrée probablement spectaculaire. Ah, toujours, hein, avec fumigène, voilà. Avec exactement. Une petite haie au début. Donc l'entrée qui ne va pas tarder à arriver. Et ensuite, on aura sûrement les interviews, ton interview avec... Avec Brian Billy. Et puis, on aura aussi le toss pour annoncer qui récupérera la balle dès l'entame du match. Et voilà. Ah, vous entendez que voilà, le public est avec son équipe. Allez, on a la petite tradition. On va commencer à bouger la tête de droite à gauche. Et c'est parti. Alors, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, blessé Dorian Pain qui va, d'après mes dernières infos, juste faire les snaps. Mais il ne va pas jouer directement en défense. D'accord. Juste sur Special Team. Ah, il a une petite blessure. Je pense qu'ils espèrent, peut-être le conserver éventuellement pour la finale. Si c'est possible, au moins le maintenir. Et puis en tout cas, c'est un joueur très, très important dans l'équipe. Pas forcément que sur le terrain, mais aussi en dehors. Donc c'est important qu'il soit présent et qu'il puisse être là pour les autres. Alors, on va voir... L'entrée 1 à 1. Alors, c'est le numéro 56, Flavien Lerivray, offensive lineman. Le numéro 59, Paul-Henri Minzeni, qui est un Belge venu renforcer la ligne offensive des Black Panthers. Le numéro 78, Nicolas Fibla. Le numéro 77, Angelo Lafargue. Donc là, vous voyez toute la ligne offensive des Black Panthers. Hein. Vous voyez bien qu'il y a du niveau, il y a du physique. Hein. C'est ça. Ils sont pas, c'est pas les derniers pour la cantine. Le numéro 76, Laïc Vonti. Voilà, on a tous les beaux bébés. Ah, le tight end américain. Le tight end américain, Jed Pinkerton. Meilleur receveur en termes de stats de la ligue. Le numéro 17, receveur, Liam Ward. Le deuxième tight end, attention à lui voilà, aussi. Voilà, attention. Le numéro 10. Ouais, Félix Durand. Un receveur qui est très très grand, qui va aller chercher les balles en l'air. Ouais, qui a des mains sûres. Peyo. Voilà. La cible de notre QB américain. Hein. Lui, c'est vraiment le voilà d'ailleurs le QB américain. Voilà, José Tabora Junior. Très, très très bon joueur. Ah, il est capable de passer et courir donc. Vous avez pu discuter un petit peu avec lui, Brice, vous le savez, hein, il est très humble. Et là on a le meilleur joueur. Probablement, on va peut-être s'avancer un petit peu, mais le MVP de la saison avec les stats qu'il a. Vraiment. Nicolas Kandar. Je pense que c'est pas forcément s'avancer, c'est pas faire offense aux autres joueurs, mais
Ah, cette saison, il est vraiment stratosphérique, hein, il est ailleurs hein, par rapport aux autres. Ah, vraiment, il fait une saison incroyable, on l'a dit. On le rappelle, en cumulé, 1200 yards, 23 TD, 200 yards à la passe avec 2 touchdowns, 984 yards à la course avec 21 touchdowns. Très grosse performance contre Chouabu Chol, 5 touchdowns. 5 touchdowns. Et puis c'est pas que des touchdowns en goal line ou en red zone, donc près de la zone d'embut. Hein. Il est capable de courir 70 yards, 80 yards sans se faire rattraper. Il est capable d'esquiver, rentrer dans les joueurs, sauter au-dessus. Il fait vraiment tout. Il est capable également de catcher le ballon. Il est vraiment sur un autre niveau. Oui, oui, oui. Il est vraiment très polyvalent et là on a vraiment l'archétype type d'un running back que toutes les équipes rêvent d'avoir. Il sait presque tout faire, il perd rarement de yards, il gagne toujours, même si le plaquage est fait derrière la ligne, il va toujours gratter ce petit yard. C'est toujours ce qu'on demande à un running back, d'aller toujours vers l'avant et d'aller essayer de gratter ce petit yard. Effectivement, c'est aujourd'hui le meilleur running et probablement un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est ça. Et puis petite dédicace personnelle, hein, c'est son anniversaire. Donc si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à écrire joyeux anniversaire voilà. Pour le numéro 5. Ça numéro 6. Numéro 6, pardon. Nicolas Cordard. Numéro 6. Qui fête ses 30 ans. Exactement. Ça se fête. comme quoi 30 ans et à ce niveau-là, voilà. C'est encore possible pour les gens qui pensent qu'ils sont trop vieux pour faire du football américain. Et ben voilà. Et ce jeune homme a 30 ans et c'est probablement le meilleur joueur de la ligue cette saison. Alors effectivement, après, attention, hein, y a d'autres joueurs très très bons, des défenseurs, ah oui, mais, etc. Il y aurait mais tous les joueurs qui ont joué contre lui ou qui regardent le football américain en France savent que voilà, cette année, il a tout pris et je pense que. Qui va finir MVP comme tu l'as dit. Le contraire serait étonnant parce que effectivement que ce soit en termes de stats, en termes d'implication, c'est indéniable. Enfin, de toute façon, toutes les équipes qui l'ont joué savent bien que systématiquement son nom sort quelque part où faut faire attention à Nicolas Cordard. Il faut essayer de le plaquer tôt, il faut essayer de le plaquer tout court parce que c'est vraiment pas forcément facile. Les DC comme Brian Billy ou même d'autres DC, ils vont vraiment construire la défense autour de lui et ça va être la première cible à abattre entre guillemets lors des matchs. Ah bah c'est évident, de toute façon encore une fois comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où il dépasse les 150-200 yards, les Black Panthers sont imbattables. Alors on a les le toss le Black Panthers qui décline hein. Qui décline donc les pionniers vont réceptionner le ballon. Donc en capitaine côté pionnier, on a Islem Belkous, le O-line et le numéro 5. Juste le temps de chercher. On n'a pas les rosters en face de nous. Le numéro 5 qui est John Iliens qui joue strong safety. Et côté Black Panthers, donc nous avions Simon Desbiez, Dorian Pain et le QB américain José Tabora Junior. Et donc du coup, les pionniers qui vont commencer en qui attaque. Qui vont commencer en attaque. Ce qui est plutôt, je pense que c'est plutôt pas mal parce que faut qu'ils essayent de faire un bon drive tout de suite. C'est un peu exagéré de dire de mettre la pression sur les Black Panthers, mais au moins essayer de conserver le ballon au maximum. Je pense que la clé pour les pionniers, en attaque en tout cas, c'est de conserver le ballon au maximum. Bien sûr. Il faut essayer d'éviter que les BP aient le ballon trop longtemps, parce qu'on sait que dès qu'ils ont le ballon, ça va dans tous les sens. Et puis on connaît Larry Logo, coach d'expérience, il a quasiment tout gagné. Il veut montrer. Son implication avec la défense. On va essayer de provoquer la faute côté pionnier. On va voir ce que la défense va nous proposer. On vous a énormément parlé de blessures, des ajustements. Donc il y aura sûrement pas des nouvelles têtes, mais des joueurs qui ne jouent pas leur position. Donc on va voir tout ça dans quelques instants. Oui, côté pionnier, on peut quand même parler de la signature de Valentin Niawa qui a été a joué avec les pionniers durant la saison, qui a signé en ELF à Paris, aux Mousquetaires, qui est quand même une perte notable pour ce match. D'ailleurs, très beau kick de notre partenaire, bravo. C'est ça. Tous les matchs, ils ont des nouveaux partenaires. Ouais. Ça, c'est très très fort. Ça, hein. c'est une belle organisation. Les Black Panthers, ça n'a rien à dire. Avec le Flash, probablement, c'est probablement une des meilleures. Ah, vraiment, c'est
C'est pas souvent dit, mais ils font un très gros boulot au niveau des partenaires, au niveau des bénévoles. C'est un des seuls clubs où il y a autant de bénévoles. Exactement. Hein, moi, on m'avait dit 50 bénévoles, c'est énorme. France, en tout cas, dans le football américain. Pour la petite histoire, on l'a vu là, parce que forcément, on installe, on est présent bien avant, et on a été accueillis par plein de bénévoles à chaque fois différents, qui faisaient à chaque fois différentes choses. Donc effectivement, c'est un très beau club. Allez. Kick-off à suivre. Le kick-off, il faut le taper loin. Donc on a le numéro 24 qui va. Ça se décale un peu. C'est pas le numéro 24, Jacquelin. Ouais. Qui joue dans l'équipe de son grand frère. Il est parti sur la gauche. Il est parti au milieu. C'est pas il est mal. Pris. Il est bien plaqué par le numéro 2. Timon Debies. C'est ça. Très bon. Pas mal le retour. Hein. Ouais. Il a attaqué l'intérieur et puis. Il arrive sur les 30 yards. C'est un retour qui est plutôt correct. C'est ça. Ouais. Et il joue dans. Du coup, son grand frère. Qui est un ancien joueur équipe de France, Claudio Jacquin. Donc c'est marrant. Voilà, jouer avec son grand frère, qui est un joueur d'expérience qui peut être aussi un facteur X ou en tout cas une clé du match. Un joueur d'expérience qui a gagné les deux titres championnat d'Europe et puis le Wargame avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France, effectivement. Une formation Diamond pour commencer le match côté pionnier avec une MT. On voulait de la surprise, on en a. On a un petit shift avec le numéro 22, donc qui est le X-Factor des pionniers, une petite motion. Et c'est pas mal, une petite bubble. Qui est bien catché. Pas mal, ça court. Il gagne des yards, c'est pas mal. Normalement, en règle générale, le premier drive est quand même bien scouté par les coachs. Mm-hmm. En règle générale, ce sont des drives normalement qui devraient. Porter leurs fruits. Donc normalement, on devrait avoir du beau jeu. On attaque les faiblesses de la défense. C'est ça. Et on a vu tout de suite le premier jeu, une passe, et on a vu beaucoup de mouvements. On veut tester, on veut voir ce que la défense nous propose. Si c'est de la man ou de la zone, le coach, il fait tout de suite bouger ses joueurs et avec une bubble pour commencer. Allez, on a une formation. Et encore une petite passe. Dommage qu'elle soit dropée. Qui est cette fois-ci dropée par le numéro 15. À mon avis, ça ne doit pas être ça, parce que moi, sur mon roster, le numéro 15, il est DB. Oui, il est blessé. Il s'est blessé au coude. Donc, à mon avis, c'est pas lui. Alors, on va s'excuser en avance pour le roster côté pionnier. On n'a pas tous les noms et toutes les infos au niveau des numéros. Donc, on va souvent dire les numéros et non les noms. Par contre, côté Black P, on a tout à jour. On est reparti tout de suite. Une formation spread, on veut lancer le ballon, en tout cas on écarte la défense. On écarte la défense au maximum. Allez. Encore une passe courte. C'est dommage. Mauvaise entente. Malheureusement, on va devoir lancer. On est en quatrième et 5 yards à parcourir. C'est beaucoup pour un premier drive. Beaucoup trop de risques à tenter. On va se dégager tranquillement. Et puis on va voir, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais les joueurs vont se réunir, comme on appelle un huddle, et puis voir s'il n'a pas été. En tout cas là, on a voulu tout de suite lancer le ballon dans les airs, comme on l'avait dit au début du match. Comme vous l'aviez dit au début du match. Alors attention, parce qu'en retourneur, côté Black Panthers, on a Adel Bavdil, et c'est pas le dernier pour les retours, il en a mis plusieurs cette saison. Ça va être dans ses bras, attention. C'est bien descendu côté attention, pionnier. Il va aller courir, il est parti sur la gauche, il a des blocs, il continue à courir et il va sortir tranquillement au niveau des 40 ans. Voilà, on l'avait dit, ça aussi c'est un paramètre à prendre en compte. Les Black Panthers ont toujours eu des équipes spéciales très très fortes et ça change la physionomie d'un match. On sait que on parle souvent de l'attaque, la défense, mais il y a la troisième escouade, la spécial team, il y en a plusieurs, et quand c'est bien travaillé, ça nous donne des placements au terrain qui avantagent clairement l'offense, l'attaque. Et on sait que Adel Baldif là, c'est un joueur très rapide qui joue cornerback, mais en spécial team il joue returner. Ouais, très rapide, il lit très bien ses blocs pour un corner, ce qui est assez rare, par le fait qu'il ne le fait pas souvent. On a une petite motion, il a des blocs, il part à l'extérieur, il arrive à esquiver, ça va être un touchdown, il est parti, quelle course, et c'est très facile. Magnifique, il a bien pris l'extérieur. On a un très beau bloc du tight end, le numéro 12, là, en bout de ligne. On en parlait en off tout à l'heure, qui est un très très bon receveur en termes de stats. Et en bloc très très efficace, effectivement, qui a d'ailleurs bien lâché le joueur quand il a vu qu'il allait un petit peu faire une faute. C'est très intelligent et voilà. Et là, il a réussi à prendre l'extérieur, Nicolas Kandar, et malgré
entre guillemets, son physique, qui est plutôt un porteur un peu lourd, entre guillemets, en tout cas physique, il a énormément de vitesse, on le voit là, il a endormi toute la défense et le numéro 5, et le numéro 5 aussi, et personne n'arrive à le rattraper. Et oui, on en parlait au début du match, le X-Factor, on vous disait, il sait tout faire, mais je voudrais quand même mettre une petite étoile au coordinateur offensif qui appelle le bon jeu. Bien sûr. La force est à droite, il appelle à gauche. Comme tu l'as dit, très beau bloc de Jack, le numéro 12, l'américain Pickerton qui fait un bloc énorme. Et ensuite, c'est Nicolas Kandar qui fait un petit juke move. Et ensuite, il fait parler sa vitesse. Voilà, et puis bon, on l'a dit, mais c'est vrai qu'en un contre un, en ce qu'on appelle en open field, même si là, on était petit côté du terrain, mais malgré tout, bon, c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Et puis, on a vu le public chanter l'adversaire. Et je pense qu'ils vont le faire beaucoup. Malheureusement pour les pionniers, je pense qu'effectivement, ils vont beaucoup chanter joyeux anniversaire parce que Nicolas Kandar a l'air d'être remonté et je pense qu'il a envie de battre des records là. Ah, il est parti pour un gros match, hein. J'ai pas eu l'occasion vraiment de lui parler, il m'a plus taquiné qu'autre chose, mais j'ai pas eu le temps, il était vraiment dans son match, mais je sais que voilà, il veut montrer que c'est le meilleur joueur en Europe, il faut le dire, et en France, mais je pense qu'aujourd'hui il va avoir un gros match, on l'a assez dit, mais on va le répéter pendant au moins une heure et demie. Bah oui, mais et bon, faut surtout pas que les pionniers, c'est qu'une action, hein. La maison n'est pas en feu, hein. Il faut rester concentré. Encore une fois, je pense que ils ont manqué un peu de réussite sur le premier drive où effectivement on a cherché des receveurs qui étaient malheureusement il est tout de suite bien pris par le numéro 14. C'est ça. On l'a pas sur Schwan le Dietrich. Ah on l'a donc, OK. Schwan Dietrich. Donc okay. Il était là l'année dernière, je sais que j'ai joué contre lui. Mais il me semble qu'il était blessé et qu'il est revenu du coup pour les phases finales. Et là il fait du bien, il arrête l'équipe des pionniers sur les 25. Là aussi je pense que c'est un point important. Il va falloir que les pionniers sur Special Team essayent au maximum de prendre le plus de yards possible. Parce qu'effectivement, sur les 25 yards, il faut faire 75 yards pour aller marquer. C'est forcément toujours beaucoup plus compliqué. Trips à gauche. Ouais, trips à gauche. Tout de suite pris. Il a relâché. Pas mal. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Alors, côté Black Panthers, on a en D-line le numéro 99, le Brésilien, qui est vraiment un joueur, vous le voyez physiquement, hein, qui est vraiment énorme, qui est un vrai impact player sur la défense. C'est très très compliqué. Et puis Rob Guillaume au placage, hein, qui est un joueur de ton nom, donc qui est d'expérience aussi. Très bon backer qui s'est illustré à l'instant. Il faut absolument que les pionniers arrivent à utiliser leur X-Factor, le Billon Ulysse là. Il y a pas mal de blitz, c'est pas trop mal. Une petite flat, il va gagner 3-4 yards. On va se retrouver en 3e et 4, ça peut être pas mal. 3e et 5, non? On va voir. Les arbitres ont l'air pas très généreux, effectivement. Et puis le numéro 52, si vous ne voyez pas sur le terrain, le fameux linebacker côté Black Pay qu'on entend beaucoup parler pendant les matchs, Benjamin Mouloudababi, est blessé, qui s'est blessé malheureusement au dernier match. Donc vous ne le verrez pas aujourd'hui si au cas où vous posez des questions. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans le chat sur YouTube. On essaiera de répondre quand il y aura un petit temps mort. Bien sûr. Ah, on garde une formation spread. Dommage, je suis pas sûr qu'il est la première. C'est un peu juste. Je suis pas sûr. Peut-être avec la progression maximale, l'arbitre de touche a l'air de donner. On va mesurer, non? Non. Ah si, ça y est, il donne la première. C'était juste, mais. Ces petites passes courtes vont être très intéressantes pour les pionniers. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas forcément aller vouloir chercher profond. Parce qu'on a quand même des bons DB. Mais encore une fois, je pense qu'il faut garder la balle.
Ah oui, de toute façon, on l'a vu au premier drive, ils ont vraiment essayé de chercher court. Là, il y avait juste une mauvaise entente entre les receveurs et les quarterbacks, mais c'est la solution pour l'instant. Moi, je trouve qu'il faut commencer doucement. Là, c'est pas trop mal. Très bon, très bon bloc du numéro 60, là, bien agressif, là, avec une belle course du numéro 22, le Bihan Ulysse, qui a aussi de très bonnes stats hein, cette saison. Hein. Je crois qu'il est troisième à la course en termes de stats. On va revoir au ralenti un très gros bloc du numéro 60, comme tu l'as dit. Hein, Et puis il vient punir un petit Monde Biesse d'avoir plaqué son collègue. Donc ça va être intéressant. On a beaucoup vanté les performances des Black Pays, mais les pionniers ne sont pas en demi-finale pour rien. Donc on va voir s'ils vont trouver la solution. En tout cas, petit à petit, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut garder le ballon absolument, drive par drive, jeu par jeu. En tout cas, là, ils sont en deuxième et short. Avec une formation resserrée, avec deux receveurs, enfin, les quatre receveurs qui sont resserrés de la ligne. On en parlait tout à l'heure, les flags. C'est vrai que ça va pas aider l'affaire des pionniers si effectivement ils commencent à faire des fautes. Déjà que le match va être compliqué du fait de cette grosse équipe des Black Panthers, faudrait pas qu'ils se mettent des balles dans le pied parce qu'ils étaient en deuxième et 5 et 3 yards et voilà, ils se retrouvent maintenant en deuxième et 7. Ah, ça change tout le jeu annoncé qui va être annoncé. Ah ben c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de facilité à aller gagner 3 yards, que ce soit à la course ou à la passe. En deuxième et 7, bon, ça réduit un peu le champ des possibles. Encore une formation spread, hein, on veut écarter la défense. On va voir, donc ça va être une passe, peut-être une passe courte pour le 17. Non, c'est droppé, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien suivi hein, par contre par Guillaume Roll qui avait bien suivi le porteur de balle. Ah, mais donc, c'était encore une fois une erreur qui. Et ça, effectivement, sur ces deux premiers drives, entre les balles droppées et les mauvaises ententes, ça fait beaucoup parce qu'ils auraient pu, ils ont gagné un seul first down pour l'instant. Il va falloir vite régler ce problème. Voilà, donc 3ème et 7, allez, je dirais 7 à peu près d'ici. 3ème et 7, on va mettre la balle dans les airs, peut-être une screen. Attention, c'est exactement ça. Très bien, allez, si c'est bien bloqué, c'est pas mal. Hein. Passer ah là là, c'est là, bien rattrapé. Je pense qu'il ne l'a pas. Hein. Je sais pas, pas de notre. Visiblement, l'arbitre a l'air de dire qu'il ne l'a pas. Ah si, je vois un O-line qui donne la première. Oui, mais forcément, un O-line va forcément donner la première. Mais regarde, on regarde. Peut-être que l'arbitre. Je sais pas. Il me semble que c'est juste qu'ils vont la jouer, hein, je pense. Oui. Ah, quatrième et un yard, on connaît. On revoit la screen au ralenti. Le Brésilien qui a déjà fait une interception en pick 6, hein, il faut faire attention à ça. Oui, contre les Molos d'ailleurs. Il ne faut pas sous-estimer. Non, il était très très bon bloc de la ligne offensive qui a bien laissé aspirer la défense. Il la joue. Hein. Quatrième et short. Peut-être un QB sneak. Attention, pas au faux départ, il passe. Très intelligent côté QB. Très bien. Qui esquive le nose tackle et qui passe sur la gauche. C'est très smart. Dit tout à l'heure, c'est un QB américain, il a l'habitude, il connaît. Et là, il a l'intelligence de se décaler dans le trou ouvert. C'est ça. Mais c'est clairement travaillé. Hein. Vu l'exécution et la rapidité qu'ils ont proposé, c'est clairement travaillé. En tout cas, c'est très bien joué. Ça redonne 4 tentatives aux pionniers de Touraine. Et effectivement, et petit à petit, ils arrivent dans la moitié de terrain des Black Panthers. Ah oui, ils ont des armes, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut garder le ballon, et c'est ce qu'ils font pour l'instant. On voit attention au blitz du safety Timon Debies qui va peut-être blitzer. Il y a de la pression. C'est catché. C'est droppé. Il faut commencer à sortir les mains. Ouais, là, c'est dommage parce que, bon, même si après on peut jamais savoir ce qui va se passer, il peut casser un plaquage, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup de man, les Black Panthers. Donc, c'est chacun à son propre joueur, à son vis-à-vis. Donc, alors, ça peut être très très bien. Mais effectivement, ça peut créer tout de suite des espaces si on rate un plaquage ou quoi que ce soit. Oui, on va jouer man hein, parce que du coup, il y avait un blitz des deux côtés. Donc, on est un tout petit peu obligé de jouer man. En tout cas, c'est compliqué de jouer de la zone. Donc là, on sait que ça va arriver vite. Et les receveurs, justement, ils doivent être lucides et alertes parce que la balle va arriver vite. Il y a de la pression, il faut le reconnaître. Donc là, on a un bunch à droite. Un bunch resserré. Ouais. Ça va être une course pour Ulysse, il prend son temps. C'est pas mal, c'est bien, il est patient hein, beaucoup. Oh, la balle a sauté, attention. Il est patient hein, derrière sa ligne, il voit que ça avance pas, il rebondit bien, il arrive à gagner ce petit yard, ces deux petits yards. Ah, plus que ça, hein, il a gagné à peu près 4 yards. Hein. 4 yards, on est en 3ème et 6, je dirais. Très bon. Et alors qu'il y avait beaucoup de pression à l'intérieur, donc c'est bien, il rebondit, il protège le ballon.
On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et maintenant, il faut catcher les ballons. On a déjà deux drops de suite. Ah, on voit que les pionniers jouent beaucoup de formations. Mm-hmm. On en a eu déjà. Allez, le 15. Ouais. Oh. Ah, la passe mal ajustée. C'est dommage parce que peut-être un peu plus profond, le 10 avait un petit peu battu son vis-à-vis, là, le numéro 32. Kevin Grandjean qui était un petit peu battu. Ils vont la jouer encore une fois. Hein. Ouais, on est en cas. Ouais, milieu de terrain. Je dirais milieu de terrain. Ouais, milieu de terrain, mais visiblement, non, il la joue pas. On est au début du match, hein, il y a que 7-0. Hein. Bah, c'est pas non plus. C'est très dangereux parce que du coup, si on redonne le ballon, on a vu que ils étaient à peu près à cette position-là tout à l'heure. On veut se dégager. C'était un bon drive. Ouais, c'était un bon drive. Effectivement, si on efface un petit peu les drops, ça peut être un très bon drive. C'est ça. Donc on va. Oula, attention. C'est un très très beau punt par contre. Hein. Ouais. Très très beau punt. Faut récupérer le ballon. Ouais, faut pas qu'il sorte. Faut pas qu'il aille dans la zone. Faut pas qu'il aille. C'est bien. Il a raison. Et on voit, on vous voyait pas à l'écran, mais les Hollandais qui sont très motivés, très bruyants. Et c'est normal, hein, c'était un très bon drive. Il manque des petits détails qui font qu'on arrive à attaquer la red zone. Mais on voit qu'il y a des trous dans la défense des Black Bay. Le Brésilien qui a failli contrer ce punt, hein, comme vous pouvez le voir, hein, il est très impressionnant physiquement. Très très lourd, et pourtant il arrive à arriver avant que la balle soit tapée, alors qu'on pourrait penser le contraire. C'est ça, et donc du coup, hein, encore une fois je répète, hein, c'était un magnifique punt, et les Black Peaks qui sont à peu près sur leurs 2 yards, ouais. Je dirais. Ouais, c'est donc, à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça, ils doivent être sur les 2. Attention, coup de sifflet, flag, attention, alors, ça doit peut-être être un faux départ, si ça a été sifflé. Probablement très rapidement. Probablement un faux start. Ah, si c'était. Ouais, voilà, c'est un faux start de l'attaque, donc ça arrange pas. Hein. Alors, même si c'est moitié de distance, mais donc ils finissent quasiment sur leur end zone. Hein. Donc là, c'est peut-être le moment, je trouve. Ah, c'est le moment de blitzer et d'aller chercher de prendre des risques un peu. On peut prendre des risques, mais attention, du coup, les Black Peaks qui vont s'attendre forcément à ça. Donc, je sais qu'ils aiment bien sortir Nicolas Kandar ou le running back en swing. Il faut pas l'oublier parce que ça peut prendre de la vitesse. On est en MT, hein. C'est ça, MT. Donc attention à Jack Pickerton. Non, il est en bloqueur. C'est lancé. Nicolas Kandar. Le flag est généreux. Hein. Le flag est très généreux. Le flag est généreux. C'est pas parce que c'est l'anniversaire de Nicolas Kandar qu'on va tout lui passer. Mais là, on va peut-être sûrement revoir l'action au ralenti. Mais il s'est mal ajusté au niveau du ballon. J'ai l'impression. Après, il avait l'air d'être bien avoir été routé par le défenseur. On va voir peut-être au ralenti la régie, s'ils ont réussi à la capter, l'action. Alors, quand là pour l'instant ça discute avec les arbitres, je sais pas ce que va donner le flag. Visiblement, ils annoncent une passe interférence. C'est vraiment dommage pour les pionniers. Hein. Ouais, terrible. En fait, c'est dommage parce qu'ils arrivent à punter, à provoquer une faute, mettre les Black Panthers en difficulté, et après on se tire une balle dans le pied. Encore une fois, on a eu les drops, on a eu un false start en attaque. Il ne faut pas commencer à être déconcentré et manquer de discipline. Alors, malgré tout, on va quand même pondérer parce que même si on n'a pas forcément vu le ralenti, c'est quand même assez généreux. Parce que j'ai pas eu vraiment l'impression que la balle soit catchable. Les arbitres ont toujours raison de toute façon. Donc voilà. Et là, on va sûrement avoir une course de Nicolas Kandar. Et non, encore une passe. Oh, c'était bien défendu ça aussi. Hein. Bien catché, belle concentration. Et bien défendu hein, par le numéro 41 des pionniers, malheureusement, qui rate son plaquage. Oui, Peyo qui est une des cibles favorites, hein, comme tu l'as dit. Et pour moi, c'est sûrement le meilleur receveur. De la Ligue française cette année. Albinet Maxence, côté pionnier, qui joue corner, qui malheureusement était bien sur le receveur, mais a raté le plaquage. Et qui a été après tout de suite pris par le numéro 5, le capitaine défensif des pionniers que l'on a cité tout à l'heure. Monsieur Ilyes Jones.
Attention, ça joue vite, on a une trips à gauche. Allez, une option, ah, petite, bubble. Petite bubble avec le, l'américain. Oh, c'est bien pris, bien plaqué, par, hein, par chacun. Ouais, très très bien plaqué. Un joueur qui est, c'est un U20, hein, donc c'est un joueur qui est surclassé. Joueur très rapide, il a évolué en équipe de France. Il a également gagné le titre avec les Caïmans, si, non pas avec les Caïmans, avec les Caïmans si je dis pas de bêtises. Donc un joueur d'expérience malgré son jeune âge. Ouais. Et un joueur très explosif. Il a également été X-Factor au dernier match. Oui, des pionniers. C'est un transfert Caïman, effectivement. Ça. Tu as raison. Très très, bonne, très très bon défenseur. Alors, on est reparti. Alors, on voit que bon, on essaye de développer le jeu entre guillemets sans utiliser Nicolas. Voilà, je pense que ça va être voilà. Une, ouais, c'est pour on Félix. L'a vu tout à l'heure avec la course de. Ouais, c'est très très bien défendu là hein, par le D-line, hein, le numéro 7. Ouais. Chris Enzegue, qui est ancien joueur Corsair, formé au Corsair et puis qui a gagné le titre avec les Carabins au Canada. Université des Carabins, donc. Bonjour à lui, s'il y a des Corsaires qui nous regardent, qui vous le connaissez très bien. Qui sont en finale de D2. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Qui vont jouer contre les Léopards de Rouen. Ah, il y a pas mal de matchs. Oui, ce week-end. Les U17, on en parlait les en Les U17, effectivement, flash contre le Caïman. La finale D3 qui a lieu ce soir, les Chevaliers contre les Minotaurs. Et voilà, Nicolas Candard qui prend la balle. Et qui est tout de suite pris cette fois-ci. Hein. Et puis là, on voit bien, hein, il y a le numéro 2, il y avait le numéro 55, il y avait le 99. Là, défensivement, on commence à retrouver un petit peu les pionniers de la saison. Très agressif. Et comme on l'a si bien dit aussi, il va falloir ouvrir le playbook. Viser d'autres joueurs, parce que du coup, si on fait que courir au centre, on va être attendu. On va essayer de trouver sûrement le tight end, le numéro 12. On est en 3ème, si je dis pas de bêtises. 3ème et 12. C'est ça, 3ème. Ou Peyo. Oh là là. Oh, allez, ah, numéro 12. Screen. Allez, voilà. C'est pour Peyo. Ah, très très bien. Il a de la vitesse. C'est de la vitesse. Et c'est une première facile. Attention à ne pas faire de faute. Non, ouais, faut. Là-dessus, très très bien. Très intelligent. Il va viser la touche. Très très bien. Quasiment 20 yards. Ah, c'est ça, hein, tout à l'heure, c'était les Black Pay qui étaient en man. Là, on a vu des tracés croisés qui, entre guillemets, kill la man, parce que du coup, tous les joueurs se croisent. On va le revoir au ralenti, vous allez le voir. Et là, il se retrouve tout seul, tout simplement, avec un petit stiff arm, tranquillement. Et on vient sortir pour arrêter le temps et puis pour casser un peu le rythme de la défense des pionniers. Et pour l'instant, la O-line qui a du mal, hein, qui a beaucoup de pression, qui met beaucoup de pression. Oh, c'est une bonne course. Oh, c'est une bonne course. Ouais. Là, il y avait des bons blocs. Là, hein. Il y avait des très très bons blocs. On a vu du double décrochement. Ah, il y a un flag. Ah, visiblement, ça parle un peu côté pionnier ou côté Black Panthers. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va attendre. On rappelle que dans le championnat français, on n'a pas droit de trash talker. Donc malheureusement, il faut entre guillemets fermer son clapet. Voilà. Même si on a fait une belle action. Ou alors pas se faire attraper par la patrouille, comme on dit. Exactement. Mais c'est pas forcément évident. Ancien joueur, des fois, on a envie de chambrer. Et souvent, on joue contre des amis ou des collègues. Donc on a forcément envie de chambrer un petit peu. Mais les arbitres ne laissent rien passer. Ouais. Et puis. Et quand on le sait, faut s'ajuster. Voilà. Faut être discret, comme on dit. Alors, visiblement, ça sera une faute BP parce qu'ils ont l'air de reculer. On voit le QB qui se plaint. Nicolas Candard qui prend une faute pour une conduite non sportive. Écoutez, visiblement, il a eu une petite explication avec un des pionniers. Alors, vous êtes nombreux sur le chat, sur la fédération et sur SportMag. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les joueurs ou sur les règles, etc. On va essayer de répondre à toutes vos questions. En tout cas, une faute qui fait perdre. On parlait de discipline tout à l'heure côté pionnier. Le vent qui tourne un petit peu. Et les Black Pay qui vont devoir construire un peu leur nouveau drive. Ouais, bon, après, ils sont en première hein, malgré tout. Donc ils ont réussi à gagner la première. Donc ils vont quand même avoir. D'accord. Donc c'est bien. Voilà. Donc ils n'auront pas pris la première. Oui, il y avait une faute. Non, mais je pensais qu'ils avaient eu. Non, c'est ça qui me semblait. Alors, qu'est-ce que. Normalement, ils n'ont pas la première. Donc voilà. Faut pas qu'ils bougent. Oula. Alors, on bouge les chaînes. Voilà. On bouge les chaînes.
Alors c'est ça, il y a une première, mais ils seront en première et ouais, les 25. Par rapport au FNAC. Oui, c'est pour ça que du coup, ils vont devoir reconstruire un nouveau drive, attaquer de différentes zones. Et ça laisse. Ça casse un peu le rythme. Donc du coup, ça laisse les pionniers reprendre un peu le souffle. Pareil pour les Black P. Et on va voir ce qu'ils vont nous proposer. On sait qu'ils ont leur américain, le Tyden, qui n'a pas eu encore de ballon. On l'a vu. Une petite bubble, mais claquée tout de suite par Jacquin. Par Jacquin, très bonne défense. On sait qu'il yard after catch, il est très fort. Donc on va l'attendre également sur des tracés drag, comme on vient de voir avec Peyo. On peut le voir sur des tracés sim, donc un peu plus deep. Donc attention à pas. Pour l'instant, on n'a pas forcément joué très profond côté Black Panther. Exactement. Et des deux côtés. Oui, c'est vrai, des deux côtés. On va peut-être s'attendre à un peu ouvrir un peu probablement les passes longues à partir de maintenant ou du deuxième quart-temps. J'ai l'impression qu'on se teste un petit peu et on rappelle le score, toujours 7-0 côté Black P pour ceux qui nous rejoignent. Et il reste à peine 2 minutes dans le premier quart-temps et Nicolas Cordard sur une petite toss là qui vient prendre l'extérieur. Ouais, c'est bien joué. Hein. Dès qu'il ballon en main, dès qu'il a un peu de champ, c'est tout de suite compliqué hein, pour l'arrêter. Qu'il met ses jambes en mouvement. Et puis s'il y a 2-3 bloqueurs qui l'aident en plus. Là, la machine, faut y aller. Hein. Il faut s'adapter. Les pionniers qui doivent trouver la solution par rapport à ça. Hein. Les corners qui doivent sûrement prendre certains risques. Mais il faut pas trop s'exposer non plus. Mais c'est vrai que on peut le dire, il est dans le circuit depuis longtemps, Nicolas Cordard, il a quand même des cuissots. pour un corner, faut y aller, hein, même si tu veux aller aux jambes, va falloir te lever tôt quand même. Hein. Allez, on a un punch à gauche déguisé. Allez, hop, ça va être une course au centre. Ça a bien été pris en cuillère là par j'arrive par le numéro 1. 93. J'ai l'impression que c'est le numéro 1 qui a réussi à faire une petite cuillère. Malgré tout, il a gagné. Il a gagné quand même. Il a gagné quand même 3 yards. Hein. Et donc, on sera en quatrième. Et donc, on va punter côté Black Panthers. Premier punt. C'est ça. On l'a vu au warm-up. Hein. Tous les DBS qui avaient des punts irréguliers, mais il en avait un qui était pas mal. Il en a fait des beaux. Alors effectivement, alors côté pionnier en retourneur, on a Jacquin encore. Genre très explosif hein. Mais attention aux pertes de ballon parce que la semaine contre Toulouse il y a 2 semaines il a eu un gros fumble donc attention à ça. Oh là là. Hop, attention allez est-ce qu'il va le prendre? Non il va laisser, il faut le laisser. Il faut aller le laisser. Faut pas toucher, faut s'écarter. Voilà, très bien. Encore une fois, c'est intelligent de la part d'Adel Bavdil et du numéro 12, je crois, qu'on laissait passer la balle, laissait mourir la balle jusqu'au. Ils sont sur les 4. Donc là encore, hein, ça va être un. Ah, même pas, hein, ils sont sur les 3, je dirais 3 ou 2. Ouais. Regarde l'arbitre où il est. Je vois pas avec. Derrière le numéro, là. Sur les deux même, tu vois, les deux. Sur les deux. C'est vrai que de là où on est, c'est un peu biaisé, mais ouais, sur les deux. Ah, c'est un beau punt, hein. C'est un beau punt. Ça, on a eu deux beaux punts. Elle a bien roulé, et là, pour un coordinateur offensif, c'est toujours un peu compliqué de commencer. Alors, j'ai une question de Gaspard je sais pas comment ça se dit, mais c'est Timon Debiez, le safety numéro 2. Attention à la passe longue, c'est la première passe, il est tout seul. Quel cache le numéro 15 qui accélère. Il arrive à prendre l'espace. Est-ce qu'il va se faire rattraper par le numéro 26? Non, il va tout seul. Et ça va être un touchdown côté pionnier. Incroyable. Incroyable. Très très beau. Très très beau. Et là on l'a dit, on a parlé des passes longues juste avant, et voilà, et la passe longue est arrivée. Et 98, 99 yards. Incroyable. On l'a dit. Le numéro 15 des Black Panthers qui s'est complètement fait avoir. Lucas Vellure qui s'est complètement fait avoir. Très très beau catch. Grosse vitesse. Très très beau catch, grosse vitesse. Là, rien à dire. Et voilà, ils ont des armes et ça va remotiver toute. L'attaque des pionniers, on a vu les Black P, hein, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas sous-estimer et attention au piège. Et là, on le voit, un sim, je le disais tout à l'heure pour Jacques, mais c'est les pionniers qui ont profité de ça. Et le safety qui s'est complètement trompé, je ne sais pas s'il y a eu un problème de communication. Je ne sais pas, peut-être qu'il pensait... On va peut-être le revoir au ralenti. On l'a revu tout à l'heure, on va peut-être essayer de le revoir encore une fois, si la régie peut nous le mettre. Ça avait l'air d'être de la manne, donc j'ai l'impression tout simplement qu'il s'est fait... Est-ce qu'on pourrait avoir le nom du receveur? Est-ce que tu l'as? Alors, le nom, je vais l'avoir... Le numéro
numéro 15. Quelle vitesse, hein. Alors... c'est... Alors, est-ce que je l'ai... On revoit au ralenti. Et là, oui, le Lucas qui... Ah ouais, c'est de la manne et en fait, il s'est battu en vitesse, ouais, tout simplement. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un tracé long, ni à un tracé sim. Et voilà. Et malheureusement, derrière, Dylan Dumas qui essaye de rattraper, mais impossible. Trop rapide. Et non, je n'ai pas le numéro 15. Alors, j'ai Animel dans le Hermès, dans le chat. Si tu peux me donner le numéro 15. Son nom et son prénom, parce qu'on n'a pas le roster à jour côté pionnier, ça serait cool. Comme ça, bah, je pense qu'on va le revoir fortement dans ce match. Oui. Et puis je pense que maintenant il va être surveillé, forcément. Donc effectivement. Et ça relance un peu le match. Hein. Ah oui, comme on l'a rappelé le score tout à l'heure, c'était 7-0 et maintenant on est 7-7. Donc du coup, l'extra point qui a été bon, réussi. Et là, c'est carton. On arrive au carton. Donc on sera dans le deuxième quart-temps à 7-7 et comme sur les deux premiers matchs pour l'instant, première mi-temps, on a un match très serré. Sur les deux fois où ils se sont rencontrés en saison régulière, sur la première mi-temps, ça s'est toujours joué à un TD d'écart. Et là, d'accord. Ok. Et donc alors, c'est Théo Kambagi. Écoute, belle pointe de vitesse Théo, la preuve, personne t'a rattrapé, 98 yards, c'est peut-être même le plus long cette saison. Ah sûrement, hein, on va écouter le capitaine. Il s'en fout qu'il tape, il est lent, il n'ira pas occupé. Il est rentré tout seul, personne ne l'a touché, il n'a pas pu enlever la balle, il n'a plus rien faire. Voilà, donc on a eu un petit mic-up. Donc merci à Sportmag, hein, c'est parce que ça fait très professionnel, très américain quand on entend les joueurs parler dans le huddle, faire des petits retours. Donc on va essayer de vous proposer ça de temps en temps quand il y a l'opportunité. Allez, un sky kick, attention à Adèle, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Allez, il part par l'attaque, attention, le sifflet, il arrive à passer, il est rattrapé. C'est dommage. Attention, le casque, monsieur 10, c'est limite là. Casque en avant, attention, hein. Non, on sait que Adèle, c'est très rapide. Ouais, c'était un bon retour. Il aurait manqué peut-être un bloc. Ouais, ou peut-être de partir plus vite extérieur. J'avais l'impression qu'il avait un peu de place. Alors, c'est toujours plus facile quand on est assis à la table des commentateurs que sur le terrain. Mais j'ai un peu l'impression qu'il avait un peu de place extérieur. Et avec sa vitesse, je pense que voilà. On a Métis. Si, qui nous dit appelle-le Mbappé. Ah, je trouve que c'est pas mal. Hein. après ce qu'il nous propose, effectivement, en termes de vitesse, c'est plutôt pas mal. Ah, là, la vitesse qu'il a proposée, c'était. Allez, formation trips côté Black Panthers. Motion toujours. Ouais, motion toujours. Norman. Allez, ça va être une passe pour Nicolas Kandar. Faut la catcher. On l'a dit. Il arrive, il continue. Ah, il est compliqué à plaquer. Hein. En un contre un, c'est compliqué. Hein. Surtout quand c'est là, c'était le numéro 25, si je dis pas de bêtises, qui était au premier plaquage. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de l'arrêter. Hein. Ah, effectivement. Puis c'est bien joué. On a feinté le jeu à droite avec la motion de Peyo, le numéro 8. Et puis on a distribué, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on était en goal line, ils aiment bien faire des petites swings très rapides. Et donc du coup, on connaît la vitesse de leurs joueurs qui ça peut faire la différence. Mais en tout cas, ils vont devoir vraiment ouvrir leur panel. Le courir au centre ou sur le côté ne va pas suffire, en tout cas pour l'instant. Pour les Black Peas, on va devoir passer le ballon. Et on a toujours la trips. Comme précédemment. Et là, on est en MT même. Hein. On est en MT. J'avais même pas vu, pardon. Oui. On est en MT avec Nicolas Kandar en haut. Ça va shifter. Et là, ça shift. Alors, on a le numéro 17. Le deuxième tight end. Hein. Mais ça va être un flag. Peut-être un delay. Alors. On n'a pas le. Ah si, voilà, l'horloge. Nous, on l'a à l'écran. Ouais. Alors, c'est un délai de jeu. Ah, ça me semblait pourtant. Semblait rapide. Mais oui, un delay. C'est l'inconvénient des shifts. Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors après, c'est vrai que je pense que ils ont besoin de un petit peu modifier leur formation offensive pour essayer de troubler un peu les jeux défensifs des pionniers. Et là, ça joue vite. Hein. Ouais, ça va garder la balle. Ouais, le QB est bien. Ouais, allez, il est tout seul. Félix, quel catch. Oui, magnifique.
Très très bien. Il s'est compliqué un petit peu la tâche avec, avec ce catch en, en sortant les mains un petit peu peut-être, late, en, hein. Ouais, peut-être en, en forme de panier. Ça, je vous laisse Brice le grand receveur nous expliquer comment on catch une balle. On va le revoir, hein, la play action et Durant Félix qui arrive malgré tout à s'emparer du ballon, on va le voir tout de suite, boum, genou au sol, il vient sécuriser le 25 qui vient taguer. La play action qui trompe, hein, ouais, il y avait beaucoup de pression et malgré pression. Ça. Très très bon bloc encore une fois du numéro 12 là qui est effectivement resté Jake, en bloc, ouais, pour, Jake Pickerton. Pour donner du temps à Taboa. Et c'est une passe encore une fois pour Jake cette fois-ci. Ouais, attention C'est pas catché. Encore Jacquin à Et pourtant là il y a une vraie différence de gabarit. Mais il est très très rapide. Mais très rapide et très agressif. Et de la bonne agressivité. C'est ça, il vient mettre bien technique, il vient mettre la main entre les deux, sa main entre les mains de Jake, le numéro 12 américain. Et attention parce que juste avant que Jacquin fasse le plaquage, on avait un joueur pionnier qui était pas loin, ah, non qui plus, était toucher la balle. Attention à ça, faudrait pas que les pionniers, pour les pionniers, il faudrait que les pionniers fassent un stop défensif et même fassent un gros jeu défensif avec une interception. Ah, il reste 4 secondes, il faut jouer. Attention là. Ah, on va faire une course. Ouais, et puis là, Nicolas Cadar à l'extérieur, ça va être un touchdown. C'est easy. Très très facile. Deux fois qu'ils font le même jeu. Hein. C'est déjà ce jeu-là qu'ils ont marqué au premier jeu. Là, celui-là, il est dévastateur. Il surcharge un côté pour rebalancer de l'autre avec. Et Jake avec deux, de l'autre côté qui fait très très mal. Deux bloqueurs qui partent à l'opposé en poule, ce qu'on appelle. On va le revoir. Motion de Peyo et puis Jake en lead blocker. Et après c'est facile. Là, quand on a du terrain comme ça et qu'on s'appelle Nicolas Kandar. Attention, encore un flag. On l'a vu dans certains matchs, hein, en ELF par exemple, les extra points sont très importants. Donc là on a un flag. Formation illégale sur une. Ah d'accord, c'est parce qu'ils étaient 12. C'est ça. Pense. Enfin 12, même plus, parce que visiblement il y a deux joueurs qui sortent. Donc c'était même 13. Donc on s'est avancé un tout petit peu. Normalement c'est Félix au kick. Ah non, pas Félix, pardon. C'est le numéro 11, Kevin, c'est Kevin Desso. Ouais, je les confonds à chaque fois. Qui pour l'instant est à 2 sur 2. Hein. ça paraît rien comme ça, ça paraît facile. Je vous invite à essayer de mettre la balle entre ses poteaux et vous verrez que ça ne l'est pas. Ah, ça reste toujours technique, hein, c'est de l'entraînement. Et je disais juste avant l'extra point, c'est très important, on l'a vu, je pense que vous avez tous regardé le match de Paris. Et c'est très important d'avoir des extra points complétés, des field goals complétés. On prend de l'avance, on se rassure. Alors on va écouter le coach pour les special teams. Alors on a quand même une belle réponse là des BP. Hein. C'est ça, très rapide. Très rapide. Et on peut même, enfin je trouve très intéressant la façon dont ils ont joué le jeu. Parce qu'on a vu qu'ils ont utilisé des motions, avec des fois une petite passe sur le running, des fois on donne la balle à la motion, à la play action, des fois on joue du côté de la motion, là pour marquer on joue à l'opposé de la motion avec des décrochements, c'est très varié et c'est très compliqué pour une défense à chaque fois de savoir de quel côté aller et comment faire pour bloquer cet exploit offensive. Brian Billy qui va devoir trouver la solution et trouver les petits défauts dans ces formations-là. Alors toujours sur Jacquin. Allez, sur le côté, il va repiquer au centre, il n'y a pas de bloc. Alors, attention, il va revenir. Malheureusement, ils sont très disciplinés, hein, les Black Panthers. Ils laissent très peu d'espace. Hein. Peut-être, j'ai l'impression qu'ils visent tout le temps le numéro 24. Alors, c'est peut-être un choix, hein, je ne sais pas. Mais bon, on a vu qu'il est quand même une bonne vitesse. Il faudrait regarder leur chasseur côté à gauche, voir si c'est peut-être les joueurs les plus rapides. Souvent, c'est ça. Hein. Ouais, c'est sûr. On veut descendre très rapidement. Pour ceux qui nous rejoignent, 14 à 7. Attenons les bains. Bon, on est au tout début du deuxième quart-temps. Il y a 9 minutes à jouer. Deux TD pour Nicolas Kandar et puis un très très gros TD de la part de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé de Tours. C'est ça. Théo Gambagui
qui a marqué un TD de 98-99 yards. Ah, là, allez, ça va être encore une longue passe. C'est catché. C'est presque catché. C'est dommage, parce que ça fait mal à une défense. Hein. Et puis, c'était peut-être voir un TD. Hein. Il avait l'air d'être quand même un petit peu couvert. Rattrapé, et s'il y aurait un deuxième... Je pense qu'il n'y aurait pas eu TD, mais en tout cas, ça aurait fait mal au moral. Hein. Et c'est dommage, et on le voit depuis le début du match, là, côté pionnier, on a beaucoup de drops. Hein. Et on vous a parlé des blessures de Choa Bichol et de la CUFL. On sait que côté BLP, malheureusement, Pelé Paul est out. Ouais. Et là, du coup, c'est son remplaçant qui est en place et il aura du boulot. Allez, petite jet du numéro 10 qui est bien plaqué. J'ai l'impression qu'il a gagné très peu de yards. Un flag. Ah, encore un flag. Célébration peut-être. Comportement anti-sportif peut-être. J'avais l'impression que c'était côté Black Panthers. Ouais, peut-être. Comme ils sont venus à plusieurs, communication adéquate. Non verbale. on va écouter la faute. On va voir la faute. Alors, les arbitres n'ont pas l'air d'accord. Ça discute. Donc, n'hésitez pas sur le chat. Hein. Si vous avez des questions, vous êtes Bien sûr. 829. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc, Ou des remarques. On prend tout. Il y a des gens qui peut-être découvrent le foot américain, faut pas hésiter, on peut rentrer un peu plus dans le détail des règles et autres. Alors visiblement, voilà, c'était une faute Black Panthers. Hein. C'est ça, comme je te disais. Alors c'est des deux côtés. Hein. Hein. Visiblement c'est des deux côtés, donc les deux fautes s'annulent. Donc je pense que c'est un petit peu trash talké. L'un n'était pas content d'être plaqué et l'autre était content de l'avoir plaqué. Et bon, en même temps, c'est un peu normal, hein, on est en demi-finale, c'est un match en jeu, il y a de la pression, donc bon, c'est logique, serré, hein. C'est logique. Hein. 14-7, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de pression. Alors, on va avoir un jeu important, on a une trips à gauche, on est en troisième. Troisième et 10, ça va être une passe logiquement. Allez, faut aller la chercher, le 5 qui arrive à catcher. Et encore le numéro 15 des pionniers. Numéro 15, pardon. Théo. Il arrive à bien se libérer. Alors, après, est-ce que le risque, c'est pas le fait de jouer beaucoup man côté BP face à des joueurs qui sont. Enfin, visiblement, le 15 est très rapide et a du mal à être pris. Est-ce que c'est pas ça le problème aujourd'hui, là, côté BP? Ils vont forcément devoir s'ajuster. Hein. On voit que c'est son deuxième catch. On a vu sa vitesse, je pense que le DC également l'a vu, il va s'ajuster et il va sûrement, comme il aime bien faire, mettre Adel, c'est souvent ce qu'il fait, il met Adel sur le meilleur attaquant. Bah d'ailleurs c'est ce qu'on voit là, hein. Ça y est. Ouais, il l'a mis en slot. Hein. Ils l'ont mis en slot. On va pas le laisser courir. Non mais c'est très important de pouvoir s'ajuster, c'est aussi les forces de notre sport. Ouais, allez, c'est bien joué ça, c'est bien pris, mais le running back qu'on a vu quand il est rentré, c'était vraiment pas mal, il s'est plaqué par le numéro 33. Benalal, Idriss. Alors on a un très beau bloc du numéro 72. Vous avez perdu 72, le nom 72. De pionnier, le frère du coach. Ah, Jacquin. Idriss. Voilà, belle cousse. On va le belle cousse. Voilà, c'est le soleil, ça tape. Donc on a un très beau bloc et on a gagné, ces 3-4 yards. Hein, pour une course, ce qui est un petit peu le minima, hein, pour une course, hein, gagner 3-4 yards, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui permet de gagner des premières. Et là, on est en empty, attention de la pression, le QB qui a le temps, qui va courir. Il est gêné. Il a bien fait. C'est très smart. Hein, Faut pas prendre de risques, on est au début du deuxième quart-temps, c'est serré. Ça sert à rien de prendre des risques idiots, se blesser. Ah, moi depuis qu'il est arrivé, même l'année dernière, je trouve que c'est un QB qui est très smart, qui va ajuster les ballons. Qui fait très peu d'erreurs. C'est ça, il va vraiment essayer de jouer intelligemment, pas se blesser. Et beaucoup vont peut-être mal comprendre pourquoi il se jette au sol, mais s'il sort du terrain, c'est plus du tout la même équipe. C'est sûr que ça sera beaucoup plus compliqué côté pionnier. Hein. D'ailleurs, sur la feuille de match. C'est le numéro 8 qui est censé être QB2, mais je ne vois pas de numéro 8. Formation MT, première fois.
Allez, 82, ouais, tout seul. Ouais, allez, faut monter, allez, faut monter. Allez, va chercher. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il avait, Lucas Vélure. Il avait de la place. Il avait de la place. Puis c'est bien joué, hein. Lucas qui vient fermer la fenêtre. On l'a vu, il s'est pas jeté. Il vient, on va le revoir au ralenti, un tracé hook en troisième. Il vient catcher ça. Et Lucas qui vient fermer, qui essaie de mettre un punch dans le ballon. Faire sauter le ballon, ouais. Le catch est réalisé par Benjamin Huguenard. Très beau catch, hein. Très beau catch, belle catch concentration. Important. Et il va gagner la première. Une première qui fait du bien. Et puis des fois, on le voit, hein, tout à l'heure on disait ouvrir le panel de jeu, mais les basiques, hein, en empty, bah, c'est super dur de couvrir les 5 receveurs. En tout cas, le tracé hook, très bien exécuté. Et on voit chacun dans le backfield, hein, en running back. Attention à lui. Ouais, c'est un petit peu l'homme à tout faire. Temps mort. Ah, le temps mort a été appelé. L'arbitre a lancé le flag, mais le temps mort a été appelé. Ouais, c'était le compteur qui était à zéro. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais il allait avoir un delay. Donc encore une fois, une décision du QB très intelligente. Ouais. Très, très alert, très lucide. Non, très très smart. Et c'est... Bon, alors après, il est américain, c'est aussi pour ça qu'on prend des QB américains. Mais et c'est vrai que ça change tout dans une escouade offensive. Voilà, on a entendu le coach, hein, et je trouve ça vraiment très... Ouais, qui a un petit peu calmé ses joueurs pour les faire redescendre, c'est très très bien, c'est important d'ailleurs. Et on sent qu'ils sont liés, hein. On sent que voilà, tout le monde écoute le coach, on est concentré, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Hein. Ils sont pas dissipés malgré le score, malgré l'envergure, et c'est leur premier match, leur première demi-finale en élite. On voit, allez, Jacquin peut-être, non, c'est une play action, il y a peut-être du temps, il n'a pas de solution, il va courir. Il va y aller, il est poursuivi. Attention, ça peut être flagué ça. Hein. Attention, pas toucher le QB, en tout cas c'est très très smart de la part du coach, hein, il a appelé le temps mort, on a calmé les esprits, voilà, on donne les ajustements à faire, toi tu prends ce joueur, on se calme, c'est vraiment un coach qui est patient et qui sait quoi faire. En tout cas, là, on a vu la play action qui n'a pas fonctionné, il n'a pas trouvé de solution, donc il est allé chercher et grappiller. Allez, je dirais 4-5 yards. Ouais. Ça va nous donner. Pas finalement. Peut-être pas. Hein, ah, il a couru, c'est vrai qu'il a duré SOS. Il a couru beaucoup sur le côté et au final, il s'est couché assez vite. Ah, il faut faire attention, il reste 10 secondes, 9 secondes, faut jouer vite. Faut jouer vite là, ça serait dommage de gâcher un autre temps mort. Allez, vite, 2 secondes, jouez vite. Faut y aller. Ouais, allez, c'est juste. C'est juste, mais c'est bien. 88, le corner, le tracé corner pour Théo. Ah là là, c'est mal ajusté. Ah, c'est dommage. Et on a un super cut de la part d'un des O-line Black Panthers. D'un des O-line pionniers. On a un Black Panthers qui nous a fait un magnifique soleil. Et Roche Valentin qui était en couverture qui me semblait un peu battu. Mais la balle qui est mal ajustée. Et encore une fois, on va le dire, hein, je pense qu'on peut s'avancer. Le numéro 15, ça va être la menace. La menace profonde. Hein, côté pionnier. Et puis j'ai vu du coup Animel, le receveur numéro 1, qui n'est pas présent car il est blessé, qui m'a dit qu'il revient d'une déchirure également à l'ischio. Donc, visiblement, il est bien soigné. Très bien soigné. Côté pionnier, on va parler, on en a parlé juste avant, du coach Abed Belskous, qui est un gros nom aussi du foot. Ouais, attention. Oh là là, la pump fake incroyable. Quand il y a un flag, ça va être sûrement attrapé. Attention. Non, c'est intelligent, mais il y a un flag dans le terrain. Ça va être rappelé, je pense qu'il y a un holding.
C'est un peu dommage là pour les pionniers. Là. Deux fois que le QB prend la décision. Surtout que là, il avait réussi à gagner son first down. Juste avant la faute, je te laisse finir. On parlait du coach pendant le. Que vous avez entendu, Abed Belkous, qui est un très grand coach, hein, mm-hmm. qui est depuis longtemps dans le football, qui a travaillé un petit peu aux États-Unis. Ça fait depuis 2019, depuis 2018, il est arrivé, 2018. Il avait déjà l'attaque pionnier, mm-hmm. et puis depuis 2019 jusqu'à maintenant, il est head coach et coordinateur offensif des pionniers. Il connaît bien le foot. Il est parti au Canada, aux États-Unis. Il a fait un shadow coaching en NFL. C'est ça, exactement. Il a fait un training camp online aux Eagles. Pour les fans des Eagles, champions en titre. Donc, c'est un un très gros coach, hein, vraiment avec un vrai bagage technique, un vrai background. Et on va pas se mentir, c'est aussi en partie pour ça que les pionniers sont arrivés en élite et qu'ils sont là aujourd'hui. Entre lui et Brian Billy, on a deux grands coachs. Alors attention, hein, les autres sont pas. Mais c'est les plus connus. C'est un peu les patrons de l'équipe, hein, entre le coordinateur offensif et le head coach pour complicité, et Brian Billy en coordinateur défensif. Allez, on est en troisième et longue. Par contre, cette fois-ci, c'est la faute qui a fait très très mal. Ouais. Allez, ça va être une passe longue. Allez. Ah, y a une c'est belle... lancé. Il va peut-être catcher. Ça fait deux fois. Pour. Ça fait deux fois que le DB est battu, mais que le receveur, hein, ce même numéro 17, ouais, qui a du mal à s'ajuster. Bon, alors là, il y a une bonne défense. Je reviens sur la première faute de Nicolas Kandar tout à l'heure qui a été appelé. Il aurait lancé le flag, j'aurais pas crié au scandale. Hein. Dumas, Dylan, qui était en couverture, qui a échappé en tout cas à la patrouille. Et le numéro 17 qui est Mehdi Serra, chez les pionniers, qui a aussi une bonne vitesse, hein, visiblement. Donc ils ont quand même des armes, hein, en termes de receveurs, les pionniers. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Hein. On va retrouver notre ami. Alors c'est flagué. Attention au delay là, hein, ça peut faire mal également. Hein. Vous laissez de l'espace au numéro 25, Adel. Ouais. Il peut vous punir. C'est sûr que s'ils récupèrent là-bas, déjà là ils vont reculer, ils vont récupérer techniquement, il va récupérer. Ah bon, alors le flag a été annulé. Et il va récupérer la balle sur les. Si elle est bien tapée sur les 15. Ah, elle est pas très bien tapée en plus. Oh là, faut pas. Ouais, c'est bien. Il a appelé le fair catch, c'est intelligent. Il a vu que ça descendait vite. Très très bien. Et là, c'est là aussi où on voit quand même les Black Panthers, le coaching des Black Panthers, c'est qu'il y a quand même à tous les niveaux, à tous les postes, des joueurs intelligents. On en a vu beaucoup en élite cette saison, mais même les saisons précédentes, qui n'auraient pas appelé le fair catch, qui auraient essayé de jouer la balle, il y aurait eu un fumble, l'équipe aurait récupéré. C'est assez rare les erreurs comme ça côté Black Panthers. Oui, ils sont très, très bien coachés. Et puis c'est un joueur d'expérience maintenant, joueur équipe de France. Il a très longtemps joué chez les Molos. Oui. Et puis là, il s'installe tranquillement. C'est pas sa première saison au BP. Et il a des consignes, il les respecte. Et puis c'est encore une fois le début du match. Il n'y a que 14-7. Ça aurait été, je trouve, un risque trop grand à prendre. Bien sûr. Allez. Petite play action. Allez, c'est pour Peyo. Il a de l'espace, attention à lui, il a de la vitesse. Il est bien pris une fois, peut-être Jacquin encore une fois. Non. Si c'est lui. Il est déjà peut-être à 3-4 plaques facile. Ouais. Solo. Ah, il est. Étonnamment, on continue à jouer sur lui, hein, donc on a confiance en ses receveurs. Bien sûr, hein, Peyo qui est la cible numéro, 2, après Jake. Mais yard after catch, ce monsieur sait faire les choses, il sait jouer au football. Très très bien exécuté, hein, la petite screen, hein, ouais. On a gagné presque 6 yards, hein, mm-hmm. Donc c'est pas rien. Et puis on rappelle que Jacquin c'est un U20. Surclassé, ouais. Donc on va pas hésiter à jouer sur lui. Hein. Ah, et c'est encore pour Kandar. Cette fois-ci. C'est bien plaqué. C'est bien pris, bien joué le numéro 2 là. Bien joué. Le numéro 2 qui vient se saisir. Aurélien Dassy,
très bien joué. Alors, j'ai un roster, mais je ne sais pas si c'est le bon, et donc si c'est pas le bon, veuillez m'excuser d'avance. Mais visiblement, pour moi, c'est Aurélien Dassy. Mais ça a l'air d'être ça, parce qu'il a l'air de jouer linebacker. Donc, sur mon roster, il est écrit en linebacker. Je ne devrais pas trop me tromper. En tout cas, là, c'est très bien attrapé. Ah, et puis ça permet d'avoir une troisième et court. Ouais, troisième et short, hein, je dirais troisième et deux, attention. À la petite passe ou le. Attention. Ça a pas sauté, non, ils ont considéré. Tabora qui va y aller. Oh oui, c'est bien. Quelle feinte. Non, il n'y a personne. Ah, non, il est trop. C'est mal ajusté. Il n'y a pas de flag, il me semble. J'en vois pas. Mais... Tac, je cherche sur le terrain. Non, j'en vois pas. Non, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas passé la ligne de scrimmage. Alors, on rappelle, effectivement, que les défenseurs n'ont pas le droit de dépasser la ligne de scrimmage, qui est la ligne imaginaire représentée par le ballon, avant que la balle soit snappée. Sinon, c'est effectivement une faute et ce qu'on appelle un jeu gratuit pour l'attaque. C'est ça. Et on voit du coup les Black P hein, qui vont punter. Deuxième fois qui puntent. Donc intéressant. Et tout à l'heure on le disait dans l'interview et en off également que les pionniers avaient réussi à tenir. C'est un mauvais punt. C'est bien rattrapé par Timon qui va essayer de se dégager. C'est contré. Le punt est contré, ça va être récupéré. Ça va être une faute. Ça c'est dommage. C'est dommage parce que il aurait peut-être pu la reprendre. Alors il aurait pas fait beaucoup de yards. Mais là, il se met en danger. Et là, on parlait des special teams et on voit comme quoi c'est important. Ouais. Il reste 3 minutes avant la mi-temps et les pionniers qui vont se retrouver en red zone. Clairement en possession de marquer. Alors, on l'espère au minima 3 points, mais peut-être même un TD. Ah, ils ont un très bon kicker. Et puis là, malheureusement, effectivement, là. Et malheureusement, Timon Debias peut malheureusement pas faire grand chose. Hein. La balle est un peu haute. Et puis il est pas très très grand. Il essaie de se saisir. Mais il saute bien. Et puis alors après, le temps de se retourner, etc. Et puis là, la faute qui va apporter. Ça a déjà été. Alors pour moi, elle a été appliquée. Elle a pas été. Si elle a été appliquée. Si il est derrière. Du coup, les pionniers qui vont prendre les 20. Surtout que je pense que s'il avait récupéré la balle en gagnant le first down, il serait reparti en attaque. Ah. Donc il n'y avait pas beaucoup de yards à faire. Hein. Manque de lucidité en tout cas. Là-dessus, ouais. Allez, deux attention, Jacques qui a fait le numéro 15. Le numéro 22. Qui a été quand même bien pris. Hein. Là, il était entouré de beaucoup de Black Panthers. Mais on voit que même en attaque, on commence à mettre de plus en plus Jacquin en porteur pour sa vitesse, je pense. Oui, il joue double plateau. Il peut jouer running back, il peut jouer corner, il peut jouer safety. Donc c'est un joueur qui est polyvalent malgré son jeune âge. On vous le rappelle, hein, il a évolué au Caïman. Il a gagné le championnat Détroit l'année dernière. Et puis il a également joué en équipe de France. Donc malgré son jeune âge, un joueur beaucoup d'expérience. Et on a des match-up. Comme en bas de votre écran, vous le voyez, le numéro 88. On va sûrement essayer d'attaquer. Ah, il est grand. Il y a de la pression. C'est dommage. Là, c'est dommage parce que en plus, il est du bon côté, le QB. Hein, donc, il a l'horloge. Hein. Il a l'horloge de son côté. Hein. Autant, bon, quand tu es à l'opposé. Allié, mais c'est plus compliqué. Mais là, elle est très. Mais là, elle est visible, contraste avec. Avec la bouche de la panthère. De la panthère, c'est ça. C'est un peu dommage, hein, on va reculer. On a vu qu'il y avait un bon match-up hein, entre le 32 et le 88. Hein, le 88 qui est assez grand. Mm-hmm. Et qui est très athlétique, hein, je l'ai vu en warm-up. Et qui est athlétique, assez longiligne. On l'a vu dropper tout à l'heure et peut-être. Mais alors que le numéro 32 qui était en face de lui, Kevin Grandjean, n'est pas forcément très grand. Mais donc, il a fait un très bon match. Hein, il fait une saison correcte. Mais effectivement, il y a un match-up physique. Bien sûr. Qui, à mon avis, je pense, va être utilisé. Exploiter plus tard peut-être. En tout cas, on voit les pionniers qui courent un peu moins, qui utilisent beaucoup la play action. Ouais. Ils ont beaucoup couru au début. Bon, il y a beaucoup de passes également, mais la play action qui est pas mal appelée là. Ça fait 3-4 jeux où
où il l'utilise. Donc, ouais, on s'attendait à voir beaucoup Ulysse Le Bihan, le running back des pionniers, et au final, il a couru. Il y a la D-line de Blackpool qui répond présent également. Mais effectivement, au final, on voit beaucoup les receveurs. Là, je pense qu'on va sûrement remettre un peu le jeu au sol pour essayer de tromper ça. Pour essayer de resserrer un petit peu cette défense. On a vu le corner 32 qui a reculé, qui a eu son... Ça va être une passe. Ah, il va là, et on vise. Allez. Ah là 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 là. Non, il n'y a rien du tout, mon jeune homme. Non. Il faut se lever. Ouais. Non. C'est complètement jeté là. C'est dommage, c'est une occasion ratée. La balle qui était un tout petit peu longue, mais un peu surdosée. Je trouve qu'il a énormément ralenti dès qu'il a regardé le ballon. Je pense qu'il a plus cherché la faute que chercher le touchdown. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est un peu dommage là. C'est une action qui est. Et surtout que je pense que en termes de match-up, il y a un truc à faire. Oui, c'était intéressant. Parce que on le verra peut-être au ralenti, mais on voit vraiment bien la différence de taille. Hein. Ouais, là, peut-être un manque de maturité. Alors là, on joue formation. Il faut jouer vite, il reste 5 secondes. Ouais. Ah, encore une fois, c'est encore mal géré au niveau du chrono par contre. Allez. Une passe. Le numéro 22 là, qui est un petit peu tout seul. C'est dommage. J'ai l'impression qu'elle passe entre ses mains, dis donc. Ah là là, c'est dommage. J'ai l'impression qu'elle passe entre ses mains. Théo qui n'a pas réussi à se saisir, mais encore une fois, tout seul. Hein. Ah ouais. Il a bien pris le dessus sur ses vis-à-vis. On va le revoir au ralenti. Encore une fois, le quarterback qui a du temps. Ah ouais, elle passe vraiment entre ses mains, j'ai l'impression. Hein. Alors ça va vite. C'est dommage. Mais ça se joue à pas grand chose. Hein. Ah, et malheureusement, on est en quatrième. Alors je pense qu'on va aller chercher le field goal. Avec énormément. Non. Ah si, field goal. Alors attention. Voilà. C'est time out, tu penses? Ouais, t'es mort. Alors, je pense que c'est parce que côté Black Panthers, on a l'air de ce qu'on appelle overload d'un côté, donc mettre beaucoup de joueurs d'un côté. Mm-hmm. On avait beaucoup de joueurs à gauche, quasiment toute la D-line. Je pense que c'était pas forcément prévu de la part des pionniers, et ils vont peut-être échanger quelques joueurs pour éviter ça. Ou alors, ils vont peut-être la jouer. Parce qu'effectivement, il reste pas beaucoup de temps. Il doit rester quelques minutes dans la première mi-temps. Il reste 2 minutes. Ça vaut peut-être le coup de la jouer. Peut-être une fake. On sait que c'est la demi-finale, c'est les playoffs, c'est le moment de sortir les petites fakes. Et puis ils sont malgré tout en retard de 7 points. Mm-hmm. Il y a peut-être un coup à faire. Ouais, visiblement, ils ont l'air de la jouer, je pense. Hein. Je pense qu'ils vont la jouer, hein, parce que toute l'équipe spéciale a l'air d'être sortie. Ouais, je pense qu'ils vont la jouer. Et je pense que c'est pas mal, hein. Il reste 2 minutes, on est dans la moitié de terrain, on est dans les 20 yards des Black Panthers. Même si elle passe pas, bon, les Black Panthers sont quand même 80 yards à faire. On va voir, en tout cas le QB rentre. Non, mais je pense qu'il la joue. Mm-hmm. Alors on va peut-être avoir un jeu feinté, peut-être des reverse ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a vu que le match-up, il était en bas, mais que c'était pas forcément pertinent. Ouais. On a vu tout à l'heure. Il prend un bon coussin Théo, sécurité, hein, le 33, le 32. Là, Kevin Grandjean, il prend un bon coussin. Allez, c'est lancé. C'est troisième. C'est vraiment pas son jour. Ah là, c'est Mehdi Serra. C'est dommage, hein, parce que ça fait 2-3 fois qu'il a la balle entre les mains. Et là, c'était TD. Hein. Autant sur le jeu d'avant, c'était une bonne première avec beaucoup de yards. Il bat son opposant, mais là, le catch, c'est mental. Hein, c'est dans la tête. Ouais, la pression. Hein. Là, il faut absolument que les joueurs, le coach. Le motif continue à le garder. D'ailleurs, c'est ce que fait le coach. Hein. Tout de suite, il est tout de suite en train de lui parler. Vous le voyez en bas de l'écran. Et tout de suite en train de lui parler, de le remotiver. En train de le chauffer. Donc, c'est très très bien. Voilà. Hein. On le disait au début du match, hein, les opportunités manquées comme ça, ça se paye tôt ou tard, malheureusement. Et puis ça commence à faire beaucoup côté pionnier. Hein. Ah, ça fait 3 drops de son côté. Allez, Peyo, il a de l'espace, il a parti. Stifam, le collar. Ah, les cheveux. Le collar, ça va être appelé. C'est une grosse faute. Hein. Là-dessus, je pense que il aurait peut-être dû attendre le bloc de Jake. Je pense que Pilkerton était en train de courir après. Et si on revoit au ralenti, je pense que s'il s'arrête un tout petit peu pour laisser Pilkerton passer devant lui, je pense qu'il va au TD. On va attendre la faute. Mais oui, c'était une très grosse course. Et une faute qui...
qui a été appelé. Alors, plusieurs flags qui ont été distribués. Alors, je ne sais pas si on a l'action à la régie au ralenti. La dernière action pour qu'on voit un petit peu. On écoute la faute. Ah, saisie attaque. Voilà, on va la revoir là. On va voir. Donc le Jack, on voit le numéro 12. Et là en fait il passe, devant Jack. Il aurait dû l'attendre sur le 41 là. Mm-hmm. Et je pense que. Jack est un peu trop passe peut-être. Il regarde beaucoup à l'intérieur. Je pense, je pense qu'il attend. Je pense qu'il ne s'attendait pas à voir. Enfin qu'il aille aussi vite. Ouais, c'est ça. Très prudent. Allez, donc du coup les deux fautes qui s'annulent. Allez, on repart en première. Ouais, ça va être une course, Kandar. Nicolas Kandar, cette fois-ci tout de suite pris par Chris. Très très bien joué par le numéro 2, je l'ai dit tout à l'heure, Aurélien Dassy avec Chris, Christian Tchekou, très très bien joué. Ah, c'est très bien joué là, les deux qui viennent se saisir, hein, comme on l'a dit, Nicolas Kandar qui est très très attendu, mais si on le laisse partir, ça fait très mal. On l'a vu, la première action du match, hein, c'était son touchdown à peu près 50 yards, mais là il est pris. Ah, et les Black Panthers qui utilisent très souvent le même jeu de course, hein, qui fonctionne d'ailleurs. Attention au match-up sur Peyo et le numéro 41. Alors on a une petite... Allez, il scanne, c'est une petite passe, bubble. Ah, boum, c'est parti. Il faut remonter, Félix. Dommage, je pense qu'il aurait dû. Là, il y a encore le numéro 24, hein, encore Jacquin. Hein. Ouais. Durant qui doit faire un nord-sud, hein, et pas faire S-ouest. Ouais, surtout, mais surtout qu'il reste pas, beaucoup de temps malgré tout. Il reste 1 minute 30. Je pense que c'est important de sortir du terrain pour arrêter le temps. Et permettre. Arrêter le temps ou aller chercher en tout cas la première. Parce que là, ça donne une troisième qui est compliquée. Troisième et 4. On va le voir. Les pionniers qui répondent présent défensivement. On va voir. Allez, il y a de la pression. C'est très très bien joué. Ouais, contré. Très, très bien contré. Le QB qui se plaint. On l'entend d'ici. Hein, ouais. Je ne sais pas ce qu'il réclame. J'ai pas entendu. J'ai l'impression qu'il a été poussé, qu'il a été tapé après le jeu. Après le jeu. On va le revoir au ralenti. Là, il lance. Fait, voilà. Ah oui, clairement. Il y a une grosse faute là par contre, messieurs les arbitres, là il y a une grosse erreur. Ouais, il faut faire attention parce que ça passe. La sécurité, surtout mais... qu'il est de dos en plus. Ouais. Il faut faire attention juste à ne pas se faire rattraper surtout par là, la patrouille. Là pour le coup, il ne s'est pas fait attention, le snap. Et là, il va falloir retravailler ça côté BP. La mi-temps, ça va faire du bien aux deux équipes. Hein. Là, les deux snaps. Les deux derniers snaps des punts sont vraiment pas bons. Celui d'avant était trop haut et celui-là est très au sol. Alors bonjour à Camille et Noé, Philippi, vraiment chacun est prometteur, très très prometteur. Hein. Ouais. On a assez vanté ses mérites. Ses mérites, c'est ça, mais très prometteur. Et après il a un grand frère qui a joué au haut niveau, qui à mon avis sait lui dire quoi faire. Et très bien coaché également. Camille Touari, donc bonjour à lui côté Molos, qui nous demande qui commente le match. Eh ben, Camille, les deux personnes, tu les connais. Brice et moi, Quentin, donc voilà, tu les connais. On te passe le bonjour, on te félicite. Allez, encore une fois, c'est bien pris cette fois-ci. Très, hein. Très, très beau plaquage. C'est Valentin Ruoche. On rappelle qu'il va y avoir un championnat d'Europe de flag cet été. Et d'ailleurs, Camille Touari a été sélectionné. Pré-sélectionné, allez, ça joue vite côté. Allez, c'est une longue passe. Cette fois-ci, elle est belle. Il faut la catcher, c'est la quatrième. Il faut la catcher. Ça va pas réussir. Elle est au bout des doigts, celle-là. Hein. Je sais que Petit Serra, là, il doit s'en vouloir. Elle est compliquée, celle-là. C'est vrai qu'elle est très compliquée, mais il doit la voir. C'est la demi-finale. Il doit la voir. Il doit sauter, il doit tout donner, vraiment. Et là, je pense que il faut le remettre dans le match, il faut le sortir. Un petit peu qui souffle. Là il reste 31 secondes, c'était l'opportunité. Hein. Ah là. Ça va être une troisième et six. On va sûrement courir. Non même pas. Non, on joue vraiment screen. Et screen. Allez, fais attention au bloc, oui, c'est bien fait. C'est pas mal. Allez à l'extérieur, il est pris. Ça va donner une première. Il reste 20 secondes. 23 secondes. Alors ils ont appelé un. Temps mort, non. Alors attention, la balle le va repartir. Chrono, voilà, c'est sifflé. Le chrono démarre. C'est sifflé. Le chrono. Voilà. 19 secondes et le chrono qui tourne. Ah, peut-être spiker la balle. Temps mort.
Alors effectivement, le coach pionnier se plaint du chrono qui est parti bien avant que la balle soit prête à jouer. C'est ça, c'est à peu près aux 23 secondes. Ouais. Alors, on va voir hein, le coach qui se plaint et sur ça il a raison. Il a raison effectivement. Hein, lui, le chrono qui est parti avant, qui était à 23-24 secondes ça, et, en fait, et qui est maintenant à 14. Et qui a démarré avant que la balle soit prête à jouer. Et c'est ce qui explique en fait le coach, parce que visiblement en fait l'arbitre dit que lui sur sa montre, il a les 23 secondes, sauf que. Bah... Alors, ne vous faites pas l'affichage que vous voyez actuellement sur vos écrans. Il reste 14 secondes. Alors, il restera un peu plus, je pense, parce que visiblement ils vont remettre, là, du coup. Je pense qu'ils vont remettre parce que l'arbitre avait l'air de dire qu'effectivement il avait lui le bon temps, sauf qu'effectivement comme l'a dit à juste titre le coach, il n'a pas la montre de l'arbitre, donc c'est un peu compliqué. Alors, ça va être remis je pense, en tout cas c'est toujours affiché 14-1. Ouais, il doit rester une vingtaine de secondes je pense. Ça. Alors par contre ça sera, le temps va redémarrer dès que la balle sera prête à jouer. Voilà, 19 secondes. Donc ils ont. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de spiker la balle Ah, on va aller deep, hein. Ah ouais, on va aller chercher suite, deep, ouais, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On va jouer tout de suite. Le match-up il va être en haut, encore une fois. Oh. Allez, c'est bien joué cette fois-ci, c'est catché, faut se coucher. Vite, 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 vite. Est-ce qu'il n'y a pas un temps mort Ah là, le temps mort. Là, encore une fois, l'arbitre qui prend du temps avant d'arrêter le jeu. Ouais. Le temps mort qui est appelé, on perd encore 2 secondes, il reste 11 secondes. Il reste 11 secondes, Alex qui me demande le temps, 11 secondes à jouer. Il me semble qu'il n'y a plus de temps mort côté pionnier. Non, c'est fini. 11 secondes, donc on va aller chercher sûrement, on va sortir un petit jeu clé. Alors, qu'est-ce que vous feriez, Brice, là? Tu vas chercher la end zone tout de suite sur le premier jeu. Le deuxième jeu, si ça marche pas, tu tapes un field goal ou tu vas chercher le TD? Moi, je vais chercher la touche sur le premier jeu. Pour te rapprocher. Je vois ce qu'il me reste comme temps. Je sais que Mehdi sera bon. Il a pas mal de mal à attraper le ballon, mais c'est un très bon kicker. Donc j'essaie de viser minimum 3 points. Je ne vise pas le TD, c'est loin. Je ne vais pas me faire intercepter pour la confiance, ça serait dommage. Je vais vraiment marquer 3 points. Mon objectif, c'est 3 points, pas les 7. Donc chercher la touche. Ouais, se rapprocher, arriver entre les 10 et les 20. Et puis depuis tout à l'heure, les pionniers qui jouent vraiment très deep. Donc ils vont nous attendre, ils vont attendre les pionniers dans le fond. Ouais. Et moi, je vais aller justement chercher le petit tracé corner ou le deep out ou un comeback, pourquoi pas. Sur mon meilleur receveur, c'est le numéro 15. Hein. Bien que malheureusement, le numéro 17 arrive très très souvent à battre son vis-à-vis. Il bat son vis-à-vis, mais il n'est pas malheureusement, dedans. Pour l'instant, en termes de main. Après, ça lui ferait du bien là, de catcher une bonne balle, ça le mettrait en confiance. Exactement. Ah, c'est pour ça que à la mi-temps, moi, si je serais le coach, hein, je lui enverrais un petit tracé hitch, juste pour commencer. En tout cas, on va voir, on a nos réponses dans quelques temps. T'as les pionniers qui jouent pas fort, les Black P qui jouent pas forcément deep. Ah, un shift, ça va. Et alors, il y aura de la protection. Non. Allez, on va jouer sur le côté. Il a du temps. Ah là là, c'est droppé. 6 secondes. Oh, 7 secondes, 6,9. C'est dommage. Ah, mais il aurait catché, ça aurait été fini. Alors, ouais, effectivement, là-dessus, peut-être après. Ouais, 6 secondes, ça aurait été fini. Ouais, effectivement, là. 6 secondes. Alors Ben Charles, il reste pas une minute, hein, il reste 6 secondes, 6-9. Et oui, un Baptiste Chénus, j'irai chercher les 3 points. Là, vraiment, ça là c'est loin là quand même. Je vais chercher les 20. Là, il faut aller chercher les 20 rapidement, mais parce que là ils sont très loin. Même si c'est un bon kicker, je suis pas sûr qu'il ait la jambe. Ah, faut le tenter, hein, quoi qu'il arrive. D'ici. Non, des 20. Ah oui, je complète et des 20, je pense que c'est. Allez, ça va être un. Ah, il faut jouer vite. Allez. Allez, c'est tout pour le tour. Ah non, c'est trop malheureusement. Loin, il va rester une seconde. Alors là, à mon sens, ils n'ont pas le kicker pour taper des 30, des 35. On a un blessé côté. On a le brésilien. Je pense c'est cardio. J'espère que c'est que ça. Ouais. Gabriel Montagnier qui est un petit peu. Ouais, il a l'air de. Ouais, il a peut-être pris un petit coup, mais je pense que c'est la fatigue aussi. Il fait chaud, hein, mine de rien. Pour les organismes. Et voilà, mi-temps. Hein. Mi-temps. Alors, mi-temps. Et bien voilà. Voilà, donc une première mi-temps très serrée. Et bah ouais, effectivement,
en finale, un peu à l'image des matchs de la saison régulière, ils se sont rencontrés deux fois. Les deux fois à la première mi-temps, c'était des matchs serrés. Donc, ouais, là on entendait le coach Larry Legault, le head coach, remettre un peu les choses au clair et motiver son équipe. Les deux équipes vont repartir au vestiaire. On espère que les pionniers ne vont pas trop souffrir du déplacement, de la fatigue, du double plateau. Et qu'ils ne sombrent pas en deuxième mi-temps, parce que c'est ce qui est arrivé à chaque fois lors des rencontres quand ils ont affronté les Black Panthers. À la mi-temps, ils étaient à 7 ou 10 points d'écart. Et puis, à la fin du match, on avait malgré tout des scores assez larges pour les Black Panthers. Ouais, c'est ça. On le disait tout à l'heure, les opportunités sont très importantes. Il faut absolument marquer le plus tôt possible, le plus vite possible, parce qu'on sait que voilà, on n'a pas forcément l'effectif pour faire tourner, etc. On a eu un voyage qui était très long, ils sont arrivés très tôt ce matin à Thonon-les-Bains. Donc j'espère qu'ils ne vont pas payer ça cher. Par contre, ils ont clairement une carte à jouer. Clairement une carte à jouer. On l'a vu, un TD de 98 yards. On a vu énormément d'occasions, mais trop d'erreurs, des drops, des flags. Il faudra gommer tout ça. Et les Black Pay, côté des Black Pay, hein, qui étaient pour moi ultra favoris. Je le disais, j'ai aucune honte, ultra favoris. Nicolas Kandar, pour l'instant, il a bien muselé. Et au niveau des passes, écoute, on joue pas très deep, hein, donc pas trop de solutions. Donc ça nous donne vraiment un match qui reste très ouvert, et on vous invite à rester avec nous pour la deuxième partie. Ça va être, là pour l'instant ça annonce une belle deuxième mi-temps. On va peut-être voir les interviews du coordinateur défensif des pionniers justement. Bonjour, donc on est là avec le coach défensif des pionniers de Touraine, Brian Billy. Alors Brian, dis-nous un petit peu, l'attaque des Black Panthers est probablement la meilleure attaque du championnat. Comment ton équipe va faire pour stopper cette équipe qui est aussi forte à la course qu'à la passe? Ouais, sans aucun doute, c'est la meilleure attaque du championnat de par les stats, on l'a vu. Nous, la clé, ça va être de limiter les gros jeux. Je pense que c'est vraiment la clé pour n'importe quelle attaque de toute manière, mais encore plus pour eux parce qu'ils ont tendance à marquer exclusivement sur des gros jeux. Alors oui, ils construisent des drives et tout, mais... On peut voir que souvent c'est Kandar, il pète un gros jeu et c'est ça qui fait souvent mal, et nous c'est ce qui nous a fait mal par le passé, donc ça va être une des clés en tout cas pour avoir du succès ce soir. Vous vous êtes déjà affronté deux fois durant la saison, ouais. Les deux fois la première mi-temps était très serrée, mm-hmm. Et puis en deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus dur. Est-ce que c'est pas la clé du match d'être faire une bonne deuxième mi-temps? Ouais, tout à fait, nous ça va être sortir un match complet, on l'a vu pas que contre les Blacks cette année mais contre d'autres équipes où on fait quand même une première mi-temps satisfaisante. Et en deuxième mi-temps, il y a quelque chose qui se passe, ils prennent le momentum, en fait on les laisse s'échapper au score. Et c'est ça, ouais, bien sûr c'est une clé. On a eu de la chance, enfin en tout cas, on a travaillé dur, et contre les Molosses la dernière semaine du championnat, on a réussi justement à inverser cette tendance-là dans le quatrième et le troisième quart-temps, et en plus contre Toulouse, donc on espère continuer sur cette belle lancée. Et vous êtes le promu de D2 de cette année, vous arrivez en demi-finale, je pense que vous n'avez pas espéré mieux. Vous voulez viser quand même toujours la finale, c'est un objectif malgré tout aujourd'hui? Ouais, bien sûr, c'est sûr. Comme je disais aux gens, on est monté dans le bus, donc autant aller et créer l'exploit. Maintenant, c'est ça, c'est le fruit d'un long travail. Les joueurs ont énormément travaillé, le staff aussi, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui produisent, donc tout le crédit revient à eux. Mais c'est ça, ouais, bien sûr, faut rêver grand. On est là, donc autant tout donner, puis on verra à la fin du match. Ok, merci Brian, merci beaucoup, bon match. Merci. Bon courage, merci. Et bonne fin de saison. Hein. Oui, donc voilà, comme vous avez pu voir, effectivement, les pionniers, le coach était très lucide. Il savait un petit peu comment ça allait se passer. On s'y attendait, un match serré. Encore une fois, on espère que la deuxième mi-temps le sera tout autant. Vous allez voir tout de suite un petit film sur le flag, une discipline, le football américain sans contact. Juste après, vous aurez un petit film Next Year. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et on se revoit pour la deuxième mi-temps.
Je l'ai vu prendre les coups difficiles, mais j'ai jamais vu baisser les bras. Pas vu grand monde aussi fort mentalement que lui, et il s'est jamais acharné sur le destin. J'ai vraiment envie d'aller à New York pour pouvoir le voir évoluer dans son environnement. Je pense que là, ce sera vraiment là où je verrai au plus haut, et ça va me faire du chaud au cœur de voir comme ça, quoi, je pense. J'aurais plutôt tendance à parler d'une rupture partielle fissuraire, c'est une blessure du tendon en gros. Mm-hmm. Il ne s'est pas cassé complètement, mais qui s'est un peu craquelé, qui a fait une déchirure avec des petites fissures. Mm-hmm. Et voilà, donc à bien cicatriser. C'est combien de temps ça? Ça, je ne suis pas médecin du sport, ouais. Comme pour vous dire, je pense que c'est pas plusieurs semaines. J'ai fait tellement de sacrifices juste pour ça. Ce serait irrespectueux de ma part, envers moi-même, même envers mes proches, de ne pas réussir ou du moins de ne pas essayer de réussir et pas aller le plus loin possible. Après tout ça, tu peux pas arrêter, tu vois. Je peux pas te dire non, je peux j'ai pas envie de jouer au foot, c'est trop dur. J'en ai marre de ça, je vais faire autre chose, je vais vivre une vie normale et puis faire comme tout le reste des mecs de mon âge. Pour aller aux États-Unis, quand on est un jeune Français, il faut être meilleur que les Américains. Pour qu'ils puissent prendre la place sur le terrain, il faut qu'ils soient super forts. Brian, he's gonna go to the league. He's gonna make a name for football in France, and it's gonna become a big thing. I know that for sure.
des écrits, des messages. Lui, apparemment, c'est pour ça qu'il a dit OK pour les temps morts, mais pas le fait. Apparemment, c'est ça le fait. Moi, j'ai même pas entendu que c'était des gros. Le temps effectif à tenir.
Bonjour, donc revoilà, on revient pour la deuxième mi-temps. Pour les gens qui nous rejoignent là maintenant, demi-finale du championnat de France élite, place pour le casque de diamant. On a le match Black Panthers de Thonon contre les Pionniers de Touraine, 14-7 pour les Black Panthers. On est avec Brice. C'est ça. Donc, de retour à Thonon-les-Bains. Un match qui est très, très ouvert, mais en même temps très serré. Donc, les deux équipes ont montré de belles choses. Côté Black P, on a vu deux touchdowns de côté pour Nicolas Kandar, le facteur X. Et comme on l'a répété pour le début du match, sûrement un gros candidat pour le MVP de la saison. On a répété ses stats pendant toute la première mi-temps, mais voilà, très gros joueur. Et côté Pionnier de Tours, on a vu beaucoup de passes, beaucoup de play action, donc le QB qui est en forme, mais malheureusement énormément de drops, ce qui fait que les Black P restent devant, mais voilà, un match qui est très serré. Ouais, très serré et qui pourrait basculer d'un côté ou de l'autre assez facilement. C'est vrai que comme tu l'as rappelé Brice, les Pionniers ont droppé 4 ballons. 4 ballons de gros gains ou de touchdown, ce qui aurait pu complètement changer la physionomie du match. Après les DB pionniers, les DB Black Panthers ont un peu de mal à gérer la vitesse du numéro 15, à gérer les bons tracés et les bonnes routes du numéro 17. Je pense qu'ils se sont ajustés, je pense qu'il y a eu des ajustements côté Black Panthers, il y en aura côté pionniers. C'est ça. Donc ça va être une belle deuxième mi-temps, on espère qu'elle sera comme la première. Ouais, comme tu l'as dit, les DB qui ont du mal un peu à s'ajuster, mais on l'a répété pas mal de fois en première mi-temps, il y a eu pas mal de bobos, des joueurs cassés, des joueurs blessés. Et voilà, il faut que le remplaçant devienne le joueur sûr. En tout cas, on est parti avec un sky kick. C'est bien joué. Allez. Oh là là. Il y a de l'espace. Voilà. Et alors visiblement il serait sorti du terrain. Ouais, il est sorti avant. Et ben voilà, bonne entame pour les Black Panthers. Le numéro 82, Campilo Mathias. Troisième tight end dans l'effectif. Les pionniers voulaient surprendre et peut-être essayer de récupérer la balle. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et les BP démarrent sur les 50. Voilà, donc les petites infos que j'ai chopées bord du terrain côté Black Panther. Bah, on a du mal en offense, hein, comme on l'a dit. Ça marchait à la course au début et puis la passe ne fonctionne pas très bien. Côté pionnier, on va essayer de mixer un peu tout entre la passe et la course. Ouais, formation empty de la part des Black Panthers. Ah, on a Nicolas Kandar, petite feinte. Attention, le QB. Pour Jake, ouais, c'est bien catché. Hein. Très bien. Super qui va catch. Chercher la première. Numéro 6 au placage qui vient sécuriser. Mais ça reste quand même une première pour Jake Pinkerton, l'américain tight end. Qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps, à part sur les blocs, parce qu'il a été décisif sur les blocs. Vraiment, sur le touchdown de Nicolas Kandar. Sur les deux, sur les deux. Sweep de PO, franchement, il est très très présent sur le système de blocs. Mais là, du coup, on va peut-être le voir un peu plus catcher des ballons. Ça serait bien qu'on le voit un peu plus, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est le meilleur receveur de l'équipe et du championnat. Donc, s'ils veulent gagner, il faut réussir à l'intégrer dans le jeu. Allez, là, justement, on parlait de lui. Ça va être pour lui, la petite flat. Il s'en mêle les pieds. Dommage. Il s'en mêle les pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et puis on a le numéro 17 derrière. Ah non, c'est vrai. Ah, ok. S'il est juste tombé, c'est bon. Il s'est emmêlé les pieds. Ah, c'est dommage. Il s'en veut un peu. Parce qu'en plus, il avait de l'espace. Hein. On va le revoir au ralenti. Là, c'est donc fin de bloc. Ah, et puis derrière, il a de l'espace. Hein. Et là, il s'en mêle. Jacker était là, mais. Mais il avait de l'espace, ouais, c'est dommage. Il nous a pas habitués à ça durant la saison, donc vraiment. On voit qu'il y a un peu de pression, une pression qui est mal gérée pour l'instant. Ouais, hein. Ouais. Deuxième et 10. On va voir peut-être Nicolas Kandar à live pour la première fois dans la deuxième mi-temps. Et ça va être ça. Non, ah c'est non, ça va être très bien. Read option, c'est bien suivi peut-être par le numéro 93. Ouais, c'est pas mal. Qui vient sauver. Le jeune. Le ramasseur de balles qui a pris cher. Ah ouais, qui a pris un coup de casque du numéro 93. On a besoin des médecins. On n'aime pas ça, surtout un bénévole, et en plus c'est un petit. Ça fait jamais plaisir.
Faut laisser de l'espace. Ouais, faut laisser de l'espace, faut le laisser respirer. C'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant sur le, ouais, sur le bord du terrain. Et aussi s'arrêter quand on sort du terrain. Le joueur qui a été peut-être un peu trop virulent. Le ouais, joueur sortait ouais, clairement. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une brutalité excessive là-dessus. Hein, surtout qu'en plus, bon, sur un quarterback, on fait attention. Enfin, en tout cas, on sait que sur le quarterback, les arbitres rigolent beaucoup moins. Ouais. En tout cas, j'espère qu'il a rien. C'est plus simple. Ouais, il a l'air de. Pour rassurer un peu tout le monde, il a l'air de se toucher la tête. Donc, je pense qu'il a pris un coup de casque. On le voit bouger. Hein, je pense qu'à mon avis, il a surtout pris un coup de casque. Il en a pas. Hein, donc, et puis, ça reste un enfant. Le 93, c'est un beau bébé. Hein, Ah, et là-dessus, les BP qui profitent de ça, hein, qui profitent de l'erreur. Le jeune ramasseur de balles se relève. Ah, il est un peu sonné, je pense qu'il a pris un choc à la tête. Je pense que c'est plus le coup qu'une commotion ou des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment juste la peur peut-être aussi. On espère que c'est ça en tout cas. En tout cas, voilà. En tout cas, il est encadré des médecins. Il se relève. Il se relève, donc je pense que c'est vraiment le coup. Il se relève. Ça a l'air d'aller. On lui souhaite d'aller bien et plein de bonnes choses. Et j'espère que les Black Panthers, à la fin du match, lui offriront un maillot pour avoir donné sa vie. son corps, en tout cas. Voilà. Ouais, c'est bien un bonhomme. On vérifie sa tête qu'il ne soit pas ouvert, mais ça a l'air d'aller. Voilà, il a l'air d'aller bien. On repart sur le jeu, ça va être une passe. Ah, elle est bien lancée. Allez, pour Jake. Il y a flag. Oui, il y a flag. Même d'ici, je l'ai vu, numéro 6. Marvin Iapo, là, on vous a vu, monsieur, même nous. Il a ceinturé les hanches. On va le voir sur le ralenti, le tracé corner qui est très très bien couru. Et il s'est très bien ajusté malgré il s'est trompé de côté. On voit la main gauche qui vient saisir. C'est très bien joué de la part de Jake qui va pas en faire trop non plus, mais qui va bien montrer que l'interférence l'empêche de prendre la balle. Ça fait deux fautes de suite, hein, donc c'est 30 yards quasiment donnés. C'est ça, hein, 30 yards donnés côté pionnier. Et pour info, le petit ramasseur de balles reprend son poste. Job. Donc c'est que tout va bien. Félicitations à lui. Il mérite une bonne photo à la fin du match. Nicolas Kandar qui part en motion. Ça va être une course pour le QB. Très bien joué. Un touchdown. C'est très bien joué. Et c'est dommage. Le numéro 7 encore. Numéro 7. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. T'as pas besoin de ça. Tu viens de prendre un TD. Reste concentré. C'est dommage. Ils prennent le large là. Faut rester discipliné. Ça c'est le mot d'ordre. C'est dommage. Est-ce que avec cette faute là qui va être appliquée, est-ce que c'est pas le moment de la jouer à deux points pour prendre encore vraiment plus le large? En plus il vient avec la tête. Non mais. Et puis il en rajoute. Le QB facilite les choses aussi. Mais bon. Oui, mais tu non, prends mais, touchdown. Il faut rester concentré, surtout que rien n'est perdu. On a vu que les pionniers arrivent à rester au contact. Il faudrait pas qu'il prenne l'eau avec tes petites erreurs comme ça. Là, on sent peut-être un petit peu la fatigue qui commence à se faire sentir. On en parlait au début du match, la fatigue, comment elle allait être gérée. Et là, pour l'instant, ils sont vraiment très mal rentrés dans la deuxième mi-temps. Les Black Pays qui profitent surtout des fautes. Hein. 30 yards de données, c'est énorme. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une belle image, le 93 là, qui est rentré dans le ramasseur de balles, qui est venu le prendre dans ses bras et tout. C'est bien, c'est un bel esprit, on aime bien. Bravo, 93. Et je pense que ça fait plaisir aussi aux petits de voir, malgré tout, des, des, des,
des joueurs élites comme ça de près, c'est toujours plaisant pour eux. On est, et vous, enfin, les joueurs sont un peu le rêve de ces petits-là qui sont dans le foot. Allez. Allez, Dessault Kevin à la réalisation. Le snap est bon. Ça va pas, ça passe, ça passe. Tranquillement, 21-7. Voilà, 21-7. Tono qui fait le break. Hein. Ouais, c'était un petit peu le risque. Forcément, ils récupéraient la balle en deuxième mi-temps. Donc, ils avaient l'opportunité d'aller marquer. Là, il faut absolument que les pionniers marquent. Alors, pas forcément rapidement, parce qu'ils ont du temps. Mm-hmm. Et il faut absolument que les pionniers fassent un bon drive. Oui, c'est ça. Franchement, on leur demande vraiment de gagner du terrain pour que le coach ouvre son playbook. Donner de la confiance en ses receveurs, on a vu beaucoup de drops en première mi-temps. On va devoir aller chercher, les drops ne sont plus, on va dire, possibles, si je puis dire. On va vraiment demander aux receveurs de catcher tous les ballons, ou en tout cas de dropper le moins possible. Et puis j'ai une petite question de Pau de Nutella dans le chat. N'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur YouTube, moi je suis actuellement sur la fédération, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aurais une question sur le chat de Sport Mag. Pau de Nutella qui me demande où se jouera la finale. Alors la finale, ça sera le 1er juillet, à Thonon. Thonon-les-Bains. Alors ça sera soit les Black Panthers ou les Pionniers, le vainqueur de ce match-là, soit le vainqueur du match d'après. Qui sera Flash Blue Star, et ce match se joue au Blue Star à Marseille. Alors pour le coup, on a une question un peu marrante sur le chat de Sport Mag. On me demande, et ça je vais laisser mon acolyte répondre, Yves Coco qui me demande si Brice Jacques et Claude Jacquin sont-ils des frères ou cousins. Non. Alors des frères non et des cousins non plus. Voilà. Mais oui, parce que mon nom de famille peut porter à confusion, mais non, on n'est pas cousins, on est amis mais pas cousins. Voilà. Ah, et là aussi, on fait un sky kick côté pionnier. C'est pour le numéro 7. Ah ouais, qui vient. Ouais. Et forcément. Et justement, et c'est là il faut répondre. Ouais, bien sûr. Il y a un flag. Il en fait des caisses. C'est un peu dommage. Des deux côtés, ça en fait un peu des caisses. Et le ton qui monte. Ouais, c'est un peu dommage. Faut rester dans le match, il y a du monde, il y a du public. C'est un peu dommage parce que pour le coup, il avait bien répondu. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut répondre. Hein. Il avait bien répondu, il avait touché un joueur. On va le revoir au ralenti. On va le revoir, il prend la balle, et là il vient avec l'épaule, et là c'est légal. Hein. Et là, il n'y a pas de... Là c'est légal. Et là c'est légal, il n'y a pas de problème, on a un très beau bloc du 82. Ça a dû juste parler un petit peu. Ouais. Ça a dû parler, mais moi pour moi c'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre avec le ballon en main. C'est clair. Surtout que, voilà, enfin, il n'y a pas de... Ça reste un match en jeu, il y a encore. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas fini. Le public qui scande, on est chez nous. Faut faire attention parce que le numéro 7 a déjà été appelé et averti pour une faute personnelle, je crois, ou en tout cas une conduite non sportive, ça c'est sûr. Attention, parce que la prochaine ça peut être dehors et en plus de ça, s'il joue la finale, ça serait dommage. Donc faut rester concentré, faut faire attention à tout ça. Il faut répondre sur le terrain surtout. Bon, que vont dire les arbitres ? Alors, on va attendre la faute. Alors, l'arbitre s'est un peu emmêlé le pinceau. Ouais, bon, le 32 c'est visiblement pour célébration, alors je la trouve un peu dure parce qu'il célébrait sur sa touche, et celle du 55, j'avoue que je sais pas vous, mais je pensais que dire le 7. Ouais, moi aussi, mais alors peut-être que à mon avis c'est peut-être autre chose, mais bon, en tout cas... Il faut rester dans le match, donc allez, les défauts s'annulent, on est reparti. Allez, les pionniers qui vont repartir... En trips gauche. Alors. On va voir, je pense, un peu plus de course en deuxième mi-temps. Ouais, je pense, ouais. De toute façon, les Black Panthers, ça s'attend peut-être plus à de la passe. Ah, une petite passe. Une petite feinte. Cette fois-ci, c'est caché, il y a de la vitesse. Hein. Attention, et cette fois-ci, c'est Mehdi.
qui a eu pas mal. Mais c'est bien de leur mettre en confiance avec des petits tracés. C'est ce que je te parlais tout à l'heure. Hein. Soit des petites hitches, soit des petites slants. En fait, on veut des tracés courts pour donner de la confiance à son receveur. Au lieu de lancer tout le temps deep, où c'est un peu plus compliqué, où il y a la confiance, il y a la technique qui rentre en compte. Pour qu'il retrouve ses mains et exactement. On veut redonner. Donc là, c'est très smart de la part du coach. Et on sait qu'il aura d'autres opportunités d'avoir le ballon dans la main, donc on veut lui faire confiance. Alors dans le chat de Sportmag, alors c'est pas vraiment une question, c'est on s'interroge sur pourquoi deux teams de la Conférence Nord peuvent se retrouver en finale. Alors c'est tout simple, c'est parce que tout simplement, à partir des playoffs, les matchs s'intercroisent. Donc c'est-à-dire que les pionniers de Tours au match précédent ont battu les Ours de Toulouse. C'est ça. Et donc forcément on se retrouve donc avec beaucoup plus d'équipes Nord dans les quatre derniers finalistes, donc le Flash de la Courneuve, les pionniers de Tours et les Black Panthers qui eux jouent, malgré qu'ils soient dans le sud, jouent dans la conférence Nord. C'est pour ça qu'on en a trois et qu'on n'a qu'une seule équipe de la conférence Sud, parce que malheureusement les deux équipes de la conférence Sud qui étaient qualifiées, les Ours et les Grizzlies, ont été éliminées respectivement par les pionniers et les Flash. Et pour les plus déterminés, n'hésitez pas à aller sur le Instagram de la fédération, sur Instagram du coup, et vous verrez tous les schémas des phases finales et des playoffs. Attention au delay. Donc juste avant, on avait une course pionnier qui a été bien rattrapée par le numéro 41, Raul Guillaume, qui fait son match également en l'absence de leur meilleur linebacker, Benjamin Moulin-Habi, Alors, j'ai une autre question sur le chat de Sportmag, sur la chaîne YouTube de Sportmag. Edgar Schwartz, déjà, on te souhaite un bon rétablissement parce qu'il nous dit qu'il a eu un Covid très long et qu'il est encore cloué au lit. Donc, on te souhaite un bon rétablissement et il nous demande le nom du petit. Je pourrais pas te le dire, je ne sais pas, j'ai pas les bénévoles, on n'a pas le nom des bénévoles. Alors, j'ai vu un nom passer, mais je n'étais pas sûr, donc j'ai pas voulu le donner. Quand on est reparti avec une flat, il va rattraper les yards un petit peu perdu, il va gagner quasiment, il va arriver en deuxième et troisième et sept. Ah, et on a un petit blessé côté pionnier là, et visiblement le numéro 10 s'est fait mal. Alors le nom serait Paul Harvilleux. Voilà, Edgar, tu as le nom du petit qui... Paul Harvilleux. Qui va mieux, il a les balles, il est là, vous le voyez peut-être en bas de l'écran à droite, il va mieux. Vous le voyez, il est devant le numéro 23, derrière le numéro 86. Donc voilà, il n'hésitez pas son poste. À écrire Paul Harvilleux dans le chat, ça lui fera une petite dédicace. Bien sûr, ça lui fera plaisir et il s'est bien battu. Allez c'est parti, attention au tracé du running back tout seul. Là. Allez, Ulysse qui va remonter. Bien plaqué. Très très bien plaqué. Mais il résiste au premier quand même. Il résiste au plaquage et il gagne des yards derrière. On sent le bon plaquage du numéro 32 là. Des BP impliqués. Qui s'est réveillé un petit peu là. C'est vrai qu'il était peu endormi. Ouais, on l'entendait pas trop en première mi-temps. Et puis toutes ces petites fautes, tous ces petits échauffourés à réveiller tout le monde. Mais même côté joueur, je trouve que c'est beaucoup plus agressif des deux côtés. Et que là, depuis quelques jeux, c'est de la bonne agressivité. C'est des beaux plaquages, ça va vite, ça descend bien. Ça va être une bonne deuxième mi-temps. En tout cas, ça s'annonce bien. Les pionniers qui jouent beaucoup plus vite. Allez, c'est reparti. Ah, attention, snap. Mal exécuté. C'est catch. C'est dommage. Bien défendu. Très bien défendu. Qui vient finir le jeu. Et puis, malheureusement, pour le 82, il était à deux doigts de l'exploit. Était en quatrième. On passe en quatrième. C'est ça. Et puis, le Dumas Dylan qui est beaucoup, beaucoup attaqué, sollicité. Ouais. Et qui répond présent cette fois-ci. Il tourne la tête et puis il garde quand même sa main gauche active. C'est très bien défendu et on est à deux doigts de l'exploit de la part du receveur du 82. Et c'est l'attaque DBP qui rentre. Le 82 qui serait Benjamin Hugonard, qui a déjà été target, qui a déjà une ou deux réceptions dans le match. Notamment cette grande hitch qu'il avait fait en première mi-temps pour aller gagner le first down. Là on a une bunch côté en empty. Feinte sur Nicolas Cordard. Attention, c'est catch. Il n'est pas dans le match. Beaucoup. C'est le numéro 17. C'est le deuxième tight end. Les tight ends qui sont... qui sont vraiment pas dans le match là. Hein. Aujourd'hui, Liam Ward là.
Ah là, ça fait on parlait des drops première mi-temps côté pionnier. Ouais. Et là, mais là c'est clairement la maladie arrive côté Black Panthers. Pourtant il y a du soleil, il y a du bon temps, mais ouais, là c'est le manque de concentration, peut-être la fatigue aussi de la longue saison. Mmh. On en parlait, bah ça avec joue aussi sur ça. Hein. Ouais, effectivement, beaucoup de matchs de la part des BP. Et on voit beaucoup le QB qui sort de sa poche pour lancer. Ah, il est capable d'utiliser ses jambes. Est-ce qu'il n'est pas gêné un petit peu aussi par la pression? Ah, mais c'est des passes qui sont, franchement, il les met lobés, c'est des passes qui sont faciles à catcher. Après, encore une fois, je me répète, mais la fatigue de la saison, ils jouent la CUFL également, donc ils ont encore plus de matchs qu'une autre équipe. Et c'est des joueurs qui sont beaucoup sollicités toute l'année, donc... Je les aide à trouver des excuses, ouais, mais c'est sûr. Mais ça. On voit bien, et c'est très gentil de votre part. Mais non, c'est vrai que là, la deuxième mi-temps, elle avait bien commencé. Le premier drive était très bon de la part des BP, même si ils avaient profité de la faute du numéro 93 sur la brutalité du QB qui les avait fait avancer de 15 yards. Mais bon, le premier drive était prometteur. Mm-hmm. C'est vrai que là, c'est un peu poussif. Un peu poussif. Et on a vu que, pour ceux qui nous rejoignent, 21-7, hein. Enfin, c'est un set toujours pour les Black P. Et puis Tom Mork a été appelé, on vient casser un peu le rythme, se remettre un peu dans le game parce qu'il y a beaucoup de déchets. Hein. À part le premier drive, bon, il y a eu du déchet côté pionnier, mais il n'y a pas eu forcément de gros jeux. Donc attention aux Black P à ne pas rester trop sur leurs acquis. Ouais. Il n'y a pas eu encore de turnover. Non. Je le souhaite pas pour les Black P, mais ni pour les pionniers d'ailleurs. Mais on sait que c'est possible. Voilà, il faut essayer de construire, il faut essayer que les receveurs catchent les balles, gagnent des yards. Là, ils sont en 2e et 10. Allez, formation snug, donc on est très resserré. On va sûrement sortir en flat. Attention au tracé corner de Peyo. C'est donné par Nicolas Condor qui prend de l'espace, qui est plaqué par le numéro 1. Ouais, très, et Jacquin. Très très bien, très très bien. Et là, on gagne quasiment la première. Hein. C'est ça. Ah, s'il la gagne pas, on est... C'est donné, première. Et toujours le même jeu, hein, avec cette sorte de petite counter, avec le double décrochement. On a une question, encore une fois, c'est pas vraiment une question, on a Kaiser qui nous dit que, selon lui, si le règlement autorisait un peu plus le trash talk, ça mènerait sûrement à moins de débordements et autres bagarres dans le championnat. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est compliqué de dire ça, mais j'ai joué en Allemagne et je pense que il laisse un peu plus le trash talk et ça se passe bien, il n'y a pas de bagarre. Donc ça peut être une solution à réfléchir. Il faudrait discuter avec les clubs, les présidents de clubs en tout cas, et les coachs. Ah, il est tout seul. Et c'est dommage parce que Jack là, dans le tracé flat, il était tout seul. Hein. Mais on a vu Tabora qui lui a dit je t'ai vu. Mm. Et on avait changé de running back, hein. C'est le numéro 24 qui était rentré. Dylan. Ouais. Charbonnel. Donc on souhaite. Je pense que Nicolas Candard a besoin d'un peu de souffler. Allez, on va être en deuxième. Deuxième, on voit pas trop le poteau down. Ouais, non, mais c'est il est caché, mais il me semble que c'est une deuxième. Ouais, c'est une deuxième. Allez, on a un match-up en bas de votre écran. Ouais, 41, ça peut faire mal. Hein. Ça va sûrement être joué. Un tracé. C'est une course. Allez, il a de l'espace, c'est parti. Bien joué. C'est dommage. J'aurais dû rester extérieur pour prendre le plus de yards possible. C'est pas grave. Allez, c'est pas mal. C'est le numéro 22. C'est vous a dit le 24. C'est Mbaye Pape. Le rookie qui a fait une bonne saison rookie d'ailleurs. Dès qu'il rentre, il arrive à prouver qu'on peut lui donner un peu de temps de jeu. Après, c'est sûr que quand on est derrière. Rester extérieur. Il aurait dû partir extérieur, gagner les yards qu'il a gagné. Je pense qu'il aurait pris la première, parce que là, ils sont en 3e et 1. À mon avis, il aurait sûrement pris la première. Allez, encore cette formation. Snug. Ah, je pense que là, on va, le QB va garder la balle. Je l'annonce. Tu l'annonces ? Je l'annonce. On est parti. Et voilà. Il est plaqué. Mais malheureusement, il est plaqué. Il le savait. Ouais. Un peu trop téléphoné. Après, peut-être un peu plus de place extérieure. J'aurais pas pu courir, soyons très clairs. mais peut-être plus extérieur. Et étonnamment, les BP qui, en 4e et 2-3, qui punt.
Ouais, mais il est 21-7, il y a du temps, il faut confiance à leur défense qui ouais, tient depuis le début du match. Allez, ouais, très bon allez, point. Très bon point. Ouais, très bien celui-là. Très bien celui-là. Très très bien. Ouais, il va aller. Oh, bien oui, très, joué très de bien. La part d'Adel. Bravo. Ah là, c'est là, très très bien. Très très bien. Et là, il finit sur les même pas un yard. Bafdiv qui fait le taf. Ah ouais, là, très très bon. Hein. Très très bon. Numéro 25, on l'a encore vu. Encore une fois, hein, on le disait tout à l'heure. Hein, je te coupe, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. On le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que en termes de ce qu'on appelle dans le milieu l'IQ football, les BP, voilà, hein, ils répondent présentes, c'est malin, c'est. Et ça crée des situations très compliquées après pour les équipes adverses. Ah, c'est des phases de jeu qui sont travaillées à l'entraînement, clairement. C'est pas quelque chose de inné. Donc c'est ça, ça c'est les coachs qui organisent bien leur entraînement. On va le revoir au ralenti. Adèle là, le numéro 25, qui va sprinter. Ouais, qui va battre son vis-à-vis. Ouais. Il va identifier que le punt est trop qui est long. Et il va s'arrêter juste sur les yards. Et ça va mettre les pionniers en difficulté. En empty. Tracé court. Ah là là là, c'est catché ou pas? C'est dommage. Hein. C'est dommage parce que. Là, il s'est fait mal, je crois qu'il s'est fait mal, je crois qu'il a pris un gros choc hein, au niveau un des côtes. Au niveau des côtes, ouais. Et à mon avis, il a le souffle coupé. Il a besoin de respirer. Encore une fois, c'est un drop. Hein. Ouais, beaucoup de déchets. Ouais, surtout ils vont s'en vouloir. Hein. Ils vont s'en vouloir quand ils vont regarder la tape parce que franchement, ça passe à rien du tout. Ouais, et puis surtout, il avait, même si je pense que le hit lui fait un peu perdre la balle, mais. On va le revoir. Tracé slant, il me semble. Ah, là, il jonque dès le début. Et puis derrière, c'est bien. Et puis il tombe avec son coude sur ses côtes. Donc, ouais. J'espère que c'est pas une grosse blessure. Non, je pense qu'il a le souffle coupé. Je pense qu'il est... J'espère que c'est que ça. Parce que les côtes, c'est dangereux. Ouais, c'est très fragile. Hein. Ouais, c'est ça, je pense, vu comment il tient ses bras. Et là, on voit le coach Brian Billy qui parle à sa défense, qui fait un. Et prendre 21 points chez les BP, pour l'instant, je trouve ça correct, surtout vu la physionomie du match. Ah, bah oui, et puis surtout, on va la rappeler, mais les matchs qu'ils ont pu faire. Que ce soit le premier match le premier match en week 2, ils se sont rencontrés et il y avait quand même 49-7 pour les Black Panthers. Donc le double. Donc on en est quand même loin et au match week 7, 38-14. Donc pour l'instant, on est plutôt dans un match plutôt bien tenu par les pionniers, avec toujours une possibilité d'être dangereux. Ouais, petite motion du running back, ça va courir. Ouais, ça va courir. Ah là, il attention. A pas d'espace, il arrive à repiquer quand même. Ah, il est solide au contact hein, quand même. Hein, parce que, il tombe pas directement. Tombe pas. Et il a gagné. Je suis pas sûr qu'il ait gagné beaucoup de yards hein, malheureusement. Je pense qu'il a dû en gagner un peut-être et encore. Et on est en 3ème et 10 toujours sur les 1. Et le punt va être compliqué. Hein. Ah, ça va être très con. On a vu un punt tout à l'heure s'échapper dans les mains de Timon Desbiez, le numéro 2 des Black P, le punter. Ouais, et puis là, malheureusement, ici, à cet endroit du terrain, ça pardonne pas. Hein. C'est safety, safety ou touchdown. C'est safety ou touchdown obligatoire. Hein. Pour l'instant, on est encore en 3ème. On est en 3ème. Je pense qu'ils vont aller chercher le numéro 15. Ou le 17, ils sont du même côté. Ouais, ils sont du même côté. On rappelle que c'est quasiment sur ce... Sur ce style et sur cette position qu'ils ont marqué 98 yards et je crois bien que sur le touchdown ils étaient déjà du même côté le 15 et le numéro 17. Alors ça je m'en rappelle pas mais je sais que c'était très similaire. Ils étaient sur les 2-3 yards et un sim du 15 mais connaissant Luc Cavalier ça va pas se passer deux fois. Maintenant il va être attentif hein, forcément être attentif, de toute façon je pense que tous les DB Black Panthers sont attentifs à la vitesse du numéro 15 hein. Qui est vraiment la menace profonde de l'équipe. Vraiment. Ah, il y a le 17 qui est pas mal, mais il n'est pas dedans aujourd'hui. Mehdi Serra. Bah, disons qu'il fait des bons tracés, il arrive à bien se séparer, à bien avoir un bon coussin. Mais il n'a pas non plus. Enfin, il n'a pas une grande vitesse par rapport au DB Black Panther. S'il n'a jamais 3-4 yards de différence par rapport à son défenseur. La séparation est moins importante. Ouais, alors que le numéro 15 nous a vraiment montré que c'était. Il n'y a pas de débat. Ouais, il n'y a pas de débat. Hein. Dans le chat, on l'a même appelé Mbappé. C'est vrai. Donc c'est un signe.
C'est Elia Baptiste qui me dit le numéro 9, BP, c'est le meilleur. Dodo, Dorian Pain. Ah ouais. Ouais, qui est malheureusement un peu blessé, donc a été laissé au repos, mais qui est présent hein, sur le bord du terrain avec, avec ses coéquipiers, qui était là en capitaine. On espère que il pourra peut-être éventuellement jouer. Allez, cette fois-ci on a Adèle hein, qui est sur ouais, sur le numéro qui sur, 15. Qui est sur Théo. Ouais, c'est le même style de jeu. Là, et puis là, allez, là, voilà. Allez, il faut y aller. Il y a de la séparation. C'est catché. Oui, c'est bien ça. C'est catché. Bravo, cette fois-ci. C'est bien. Très bien. Ça y est. Et tout à l'heure, il y avait un match-up avec le 90, avec le 88. Et cette fois-ci, il a 5 fois. Mais là, la 5ème est bonne. La 5ème est la bonne. Et puis surtout, gros gain. Gros gain. Très gros gain. On est sur à peu près. Là, on est 50, sur les, on est sur les 40. 40 yards, 50 yards, facile. Ouais, on est sur les 40. On est sur les 40 côté BP, donc très très bien. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Ah, c'est un très beau catch. Ouais, très très beau. Ouais, belle concentration. C'est gardé à droite. Belle concentration. La balle est bien lancée en plus. Exactement. Un peu de hauteur. Mais là, le QB qui est très très bon. Ouais, maintenant, il faut que les receveurs répondent présent. Ah, encore un temps mort peut-être. Non, le temps. Défaut d'équipement, non, c'est pas ça? Allez, c'est sifflé, c'est parti. Allez. 5 minutes 38, 21-7, si vous êtes avec nous. Les pionniers qui cherchent la solution. On va sûrement courir. Voilà, c'est donné au cul. Allez, c'est parti à l'extérieur. Ah, il est pris par Adèle. Ouais, et ça pousse hein, quand même. Hein. Ça pousse quand même. La et ça pousse qui, la O-line qui va l'aider, qui va gagner les yards. C'est bien ça. Encore une fois, une O-line qui est, à mon avis, très bien coachée, hein, qui ne s'arrête pas. Malgré le fait que le joueur est entouré, ils vont venir chercher le dernier effort. Et c'est comme ça qu'on grappille des yards. En tout cas, ça va donner une deuxième et 6. Deuxième et 6. On va voir, mais là, vous ne le voyez peut-être pas. Enfin, si vous le voyez, il y a des petits signes de fatigue qui commencent à être côté pionnier, ouais, effectivement. On voit les joueurs qui se penchent un petit peu, qui cherchent le souffle. Allez, on a une trips à droite. Attention parce qu'on a le numéro 15 et le numéro 17 du même côté. Théo et Mehdi du même côté. Attention numéro 17 là, la passe longue, à mon avis c'est... Non, allez, il va chercher le 10 qui est tout seul, non, il va chercher le courir. Ah, c'est attention. Bien, c'est bien. Bien joué de la part d'Adèle qui saute au-dessus du joueur et qui ne rentre pas dedans. Voilà, le numéro 50, le D-line, là, le linebacker, pardon, Baptiste Noir qui accompagne juste le QB qui slide. Alors ça a essayé de jouer court. Et au final, on voit que le QB pionnier a beaucoup couru. Alors là, c'est vrai que ça fait 4 ou 5 fois qu'il court. Hein. Chaque fois. Ah mais c'est toujours bien. Enfin, c'est pas forcément qu'il y a de la pression, c'est quand il voit qu'il n'y a pas de solution. Mais je trouve qu'il se retrouve souvent seul quand il court. Tu vois, il ne court pas par défaut, il regarde et puis il court. C'est vraiment intelligent à chaque fois. Ouais. Alors on repart. Oh, flash c'est piqué. Ouais, allez, chacun qui va prendre les yards. Ouais, et puis alors, le 55, il est allé chercher le 22. Ah, il n'a pas fait de voyage à vide. Hein. Ah. Il n'était pas venu pour tricoter. Hein. Oh. Oh, ouais, dis donc. Il lui a passé un petit bonjour. Ah ouais, Louis Tichaussère là. Il était là. Et on lui a dit de rentrer dans le gap. Il est rentré. Hein. On est reparti. Allez, formation resserrée. On l'a vu tout à l'heure côté Black P. Cette fois-ci, on le voit côté pionnier. Formation snug. Attention au tracé vers l'extérieur et les corners. Le numéro 15 surtout. 88 tout seul. Oui. C'est catché. Il y va. Oh, il est bien plaqué encore une fois. C'est bien plaqué. C'est Adèle, numéro 88 qui avait un peu le souffle coupé tout à l'heure, qui est revenu parmi ses coéquipiers pour catcher cette belle balle. Alors quand on se met dans cette formation, on va le revoir. Les tracés out sont vraiment souvent appelés. Et là, il ne faut pas sauter par contre, il faut baisser l'épaule ou placer un stiff arm, mais il faut vraiment rester au sol pour éviter d'être plaqué. Allez, on est reparti, les pionniers là qui avancent bien, tu l'as dit tout à l'heure, il faut garder le ballon. Et là, ils le démontrent bien. Ouais. On voit qu'ils peuvent construire, c'est juste le déchet qui les empêche à chaque fois.
On va voir. Motion du 15, il sort en main. C'est Cavalier qui le suit. Ouais, allez, attention, il y a de la pression. Ah, oui, il arrive à s'échapper une fois, deux fois, mais cette fois-ci il est plaqué. Ah, il a réussi à esquiver deux joueurs. Et le troisième. Et ça vient du Brésil. Les O-line ne sont pas contents, mais Montagnier, Gabriel qui fait le boulot. Ah, il est efficace. Hein. Et puis pourtant, il a été bien tenu hein, tout le match. Hein, parce qu'il a. On c'est l'a le premier connu. Sac, hein, il me semble. Hein, donc, troisième carton, il reste deux minutes. C'est très bien de la part de la O-line. Ouais. Mais là. Ah, malheureusement, il arrive au pire des moments. Là, c'est Rio. c'est Rio, Haute-Savoie direct. Ah, là, ouais, il n'y a pas d'escale. Hein. Ouais, mais il est bien tenu hein, tout le match. Et puis bon, bah, il suffit d'une fois. Attention au temps, il reste 4 secondes. Faut jouer vite. Faut se mettre en place, faut lancer le snap. Allez. Très bien, attention. Le tracé drag. Attention, le 82 qui est tout seul. C'est dommage. Le 82 qui avait bien mis, qui a fait un bon double move au numéro 32 là. C'est Kevin c'était Grandjean là, qui s'était fait un peu avoir. On va le revoir ce moment au ralenti. En haut de l'écran là, il s'était bien fait avoir. Je pense que. Il y avait quelque chose à jouer. Ah, à je pense, ouais. On va le revoir. Hein. Tout en haut de votre écran. Tout en haut de votre écran, là, le 82, là. C'était pas mal. Hein. Et là, je pense que. Et encore la fois, la balle qui était trop haute. Hein. Ouais. Et à chaque fois, j'ai l'impression, regarde bien l'horloge, il reste 1, 2, 3 secondes. Et en fait, c'est joué trop vite. Le quarterback, qui n'a pas le temps de scanner. Ouais. Et donc, du coup, il faut jouer plus vite. Là, le duck qui est trop long. Là, il reste 10 secondes. Il n'a pas le temps de lire la défense, de voir ce qu'on lui donne. Et c'est un stress. Et voilà, le public qui crie, qui aide. Il reste 5 secondes. Il reste 5 secondes. Il n'a pas le temps de scanner. Allez, il faut jouer 2 secondes. Une seconde, il faut jouer. Ah bah, c'était juste. Hein. C'était juste, ouais, c'est pas mal. Oh là, c'est un drop encore. Bon, il n'aurait pas eu la première hein, parce qu'on était en 3ème et 15. Mais je pense que c'était pour se rapprocher un petit peu pour le field goal. Le field goal, ça aurait été intéressant. Parce que là, on va devoir aller chercher l'exploit là. Là, ça va être un peu compliqué peut-être hein, pour le field goal. Troisième quart là. Je sais pas si. La balle, elle est dans les mains, il faut se saisir du ballon. Là, c'est. Bah, visiblement, ils vont la. Alors, le QB a l'air de sortir. Non, le QB sort prend le pas. Jeu. 20 secondes. Allez, faut aller vite. Alors. C'est dommage, hein, parce que le QB est très bon, il donne des solutions, mais il y a beaucoup de déchets côté receveur. Là, ils vont s'en vouloir à la fin du match si le score ne change pas. Ouais. Allez, on va mettre de la empty. Allez, 7 secondes. Et puis en plus, ça shift. 5 secondes. Tant mort. Ça va pas. Dans la formation, ça va pas. Là, il y a des gens qui ne se sont pas compris. Bah, des fois, il vaut mieux prendre un temps mort. Hein. Bien sûr. En 4ème et 15. Là, c'est un jeu très important. C'est un jeu important. Donc, vaut mieux prendre le temps mort plutôt que se retrouver en 4ème et 25, où là, c'est clairement pas jouable. Il faut absolument que les pionniers ne cèdent pas à la pression. Et voilà, la pression est remontée. Ils ont du mal à gérer. Il faut qu'ils redescendent un peu. Ah, on l'a dit tout à l'heure, hein, le déchet, c'est le problème pour l'instant des pionniers dans ce match de demi-finale. Il y a énormément de drops côté receveur, donc ça aide pas. Il y a eu certes un gros jeu, mais ça ne suffit pas. Hein, un seul jeu ne suffit pas. Il faut vraiment construire le drive à ce niveau de jeu de là, à ce niveau de jeu. Les BP qui sont présents et. Là, il faut vraiment tenir. Hein, Après, ça reste pas fini. C'est pas fini le match. Oh non, toujours au troisième quart. Là, il y a une grosse quatrième à jouer. Alors, on va voir. On sait que ça va être dangereux ça côté. Ça va lancer de toute manière, hein, étant donné le nombre de yards qu'il y a à faire. On voit que les BP, d'ailleurs, se sont mis en cover 2 avec les safety quasiment sur le poteau de first down. Allez, on a un petit côté pionnier, ça va être snappé. Le QB qui scanne, qui regarde, il regarde à gauche, il roll. Ah, attention, le 99. Revient, attention. Allez, El Meri, ça va être intercepté. Oh, ils se gênent. Ils se sont pas parlé. Tant mieux pour les Black Bay. C'est Timon Desbiens et Valentin Roche. Ils se gênent pour le pic. Un peu de gourmandise. Ouais, c'est sûr. Mais tant mieux, parce que du coup, ils vont reprendre vraiment. Ils vont reprendre là où les pionniers se sont arrêtés, donc sur les 20, sur les 25. Sur les 25, et une très très bonne pression de la part du. Simon qui a failli intercepter, ouais. Hein, c'est vraiment Valentin qui vient gêner. Et grosse pression de. Du 99, Gabriel, ouais, très très Gabriel grosse Montagnier. Pression. Ça fait là sur ce drive là, il s'est vraiment régalé. Il s'est régalé. Voilà, c'est Gabriel, on voit les imports qui font la différence. Et là, le QB qui se retrouve un peu sans solution. Et BP qui vont, je pense, courir pas mal
On le voit. Allez, Nicolas Kadar qui a de l'espace, il part au milieu. Il arrive dans le premier plaquage, attention à la balle. Et il vient prendre la première normalement. Ouais. Ouais, on voit qu'il zigzague assez facilement. Ouais, et puis même avec des joueurs sur lui, il arrive à gagner des yards. Alors là, il y a de la casse. Là. Côté pionnier, j'ai l'impression que le numéro 6, le safety. Ouais, j'ai l'impression que le numéro 6 est un peu blessé. Alors c'est Grand Jean Kevin. J'avais une question de Corentin Luino. C'est qui le numéro 32 côté Black Bay? Grand Jean Kevin. Voilà. On vous l'a dit, hein, il y a eu pas mal de blessés à Choua Bichol et même avant. Donc ils ont dû faire de la rotation côté DB. Et c'était un facteur du match, hein. Les pionniers le savaient très bien, enfin l'ont su et l'ont attaqué, mais pour l'instant il n'y a pas de réussite. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je me répète encore, vous êtes nombreux sur le chat, donc merci à vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le football en général ou sur le match. Alors on va voir la course de Nicolas Kandar qui zigzague. Ah, avec un bon bloc hein, du numéro 75 là. C'est l'ischio je pense. Peut-être qu'il a lâché. C'était après l'action, c'était pas sur le coup, donc j'espère que c'est pas trop grave. Ouais, peut-être le genou, non? En fait, il s'est tenu derrière. Ouais. Il s'est tenu le. Bah, comme ils l'ont retourné en fait et que j'ai l'impression. C'est lui qui s'est retourné directement sur le ventre. D'accord, ok. Et je pense que l'ischio a lâché. Parce que là, ils ont l'air de toucher le genou. Hein. En dessous du genou. Ouais. Insertion ischio-genou, ouais. On va voir. Là, c'est dommage. Et Antoine Rabuté, allez, une petite interception. Et oui, il n'y a pas eu de turnover hein, pour l'instant dans ce match-là. Non. On a été pas loin à un moment, mais effectivement. Après, les QB sont quand même soit très très précis, soit effectivement surdosent un peu les ballons et donc ne sont pas jouables par ni le receveur ni le DB. C'est ça, c'est soit trop haut ou soit pas lancé. Mais effectivement, avec tous les drops. Des pionniers, ça aurait pu avoir beaucoup plus de. Ils vont s'en vouloir, ça c'est sûr. Déjà, ils vont s'en vouloir, mais il y aurait pu avoir beaucoup plus de turnover, hein, parce qu'on voit qu'à chaque fois, les DB Black Panthers sont vraiment juste derrière. Des fois, ça se joue à pas grand chose. Ah ouais, là, le numéro 6. Là, le numéro 6 qui sort. À mon avis, on le reverra pas. Marvin Gapo, le linebacker, visiblement. Olivier Lévy, bravo pour la qualité de stream, ça fait plaisir. Bah, merci à Sportmag, hein. Bah ouais, c'est eux qui font la régie, hein. qui font le boulot. Vraiment, une caméra sur le terrain, on a une caméra grand angle avec des zooms. Et puis, on a du matériel, du matos de qualité. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, merci à eux, merci à la fédération. Allez, là, va falloir la remplacer. On vous rappelle qu'il y a le match Flash. Juste après, Flash Blue Star, juste après à 20h45. Exactement. Donc qui commence dans un quart d'heure. Hein, donc et puis le match U17 également, il me semble qu'il a commencé. Ouais. La finale des trois également. Voilà, la finale des trois entre les Minotaurs contre les Chevaliers. Allez, c'est bientôt la fin du troisième quart-temps. Je pense qu'on va courir. Attention, faux départ. Allez, c'est un jeu gratuit, ça. Ah non, il n'a pas été appelé. Hein. Allez, c'est lancé. Peyo qui est tout seul. Là, 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 c'est compliqué. Et vraiment, Étonnamment, il n'a pas été appelé par le. Il y a un flag par terre. Donc ouais, mais il a. Il a pas. Enfin, ça. Le jeu gratuit, entre guillemets, n'a pas été appelé. Le offside défensif n'a pas été appelé par l'arbitre. Par l'arbitre de touche. Alors, j'ai Maxine Klein, Lucas Vellure. Il n'était pas out pour toute la saison. Bah écoute, il a un peu diminué. Mais il a décidé de jouer et faire une petite reprise. Forcément, vu l'enjeu du match, on a besoin de lui en défense avec toutes les blessures. Et puis, il y a la finale CFL. Et puis, s'il gagne, bien sûr, la finale élite à jouer. Hein. Voilà. Il faut reprendre du rythme. Bah, et puis, c'est surtout qu'ils vont les enchaîner parce que la finale CFL se joue la semaine prochaine, le 24. Et la finale élite, le 1er. Donc, les matchs vont s'enchaîner là pour les deux équipes finalistes. Parce qu'effectivement, bon, on le rappelle, mais les Flash et les Black Panthers sont en finale de la CUFL, donc du championnat d'Europe des clubs de football américain. Allez, on prend son temps. Allez, ça va courir. C'est donné pour Nicolas Kandar, il y a de l'espace à gauche. Il a décidé de prendre à droite, il arrive à prendre encore c'est une pas fois. Mal, ouais, c'est bien, c'est intelligent. Ouais, beaucoup auraient repiqué intérieur, auraient pris le cutback comme on dit et il est resté bien derrière sa ligne. C'est Jacques qui est au plaquage. Ouais. On le voit beaucoup hein, ce jeune joueur. Ouais, impressionnant, hein, sachant que comme tu disais, hein, il est que U20. Hein, donc vraiment il y a quelque chose. Vraiment très intéressant.
Alors, on va repartir tranquillement. On sait, voilà, il reste 48 secondes. Et on sait, hein, 21-7, on va gérer le match. Ouais, on va pas, bien sûr. On va pas faire les fous, entre guillemets. On va faire drive par drive, jeu par jeu. Allez, il va garder. Allez, ça va être pour le check. Allez, cette fois-ci, c'est catché. Allez, il remonte le terrain, il y a des blocs, il sort. Allez. Très bien joué, très bien joué. C'est sorti, c'est sifflé. C'est rien, voilà. Allez, c'est bon, c'est bon enfant. Allez, il gagne la première. Et c'est son premier vrai gros gain, je dirais. À la passe, ouais, en réception, effectivement, ouais, parce qu'il a eu en première mi-temps une petite bubble là, mais qui a été tout de suite arrêtée par Jacquin. Et là, il a réussi à prendre des yards avec cette petite flat où il passe derrière la O-line, un petit peu caché malgré son physique. C'est ça. Et en fait, depuis le début, il est lead blocker. Ouais. Et là, il vient justement aller dans le flat, se rendre disponible très rapidement avec un rôle du QB vers la gauche. Et c'est des jeux qui sont très efficaces en goal line ou quand on n'est pas prêt à couvrir le flat. Allez, il reste une seconde, on va attendre. Allez. C'est donné à Nicolas Corda, à l'extérieur, vers la droite. Un plaquage, deux plaquages ratés. Et il va gagner encore 5-6 yards. Hein. Il est sur sa moyenne de l'année. Hein. Je rappelle que sa moyenne de l'année, elle est à 8 yards. Voilà, il doit être, là, il doit être... Voilà, il a gagné... il a gagné 7 yards, forcément 7 yards par course, c'est compliqué d'aller chercher. Et on rentre dans le 4ème carton. Et là c'est fini, le 3ème carton est terminé. Et on vous rappelle hein, Nicolas Corda qui fait une grosse saison, mais bien sûr hein, il n'est pas tout seul, c'est la O-line qui pousse hein, et qui assure les blocs. Là on voit dans votre écran les pionniers qui ont cette petite... on va dire religion, ou ces petites habitudes de se taper dans les mains pour le quatrième quart, se donner la force. Je trouve ça pas mal. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, on a souvent les équipes qui lèvent la main en faisant le signe 4 pour le quatrième quart-temps. Ça dépend des clubs. Alors, on a une question sur Sportmag TV de Glenco. Là. De votre point de vue, c'est mieux de gagner une finale CEFL ou Elite? Bah, de mon point de vue, il vaut mieux gagner les deux. Voilà. Ça, voilà. Non, mais après, quand tu... Enfin, alors, quand tu vas jouer une finale, quoi qu'il arrive, tu vas pour la gagner. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est par rapport au palmarès de chacun. Hein. Si tu as déjà gagné 4 finales, ça te ferait moins mal de perdre. Peut-être, ouais. Ça serait plus ça. L'Europe, c'est un peu hors du commun. Les deux équipes, que ce soit les Blacks ou les Flash, ont remporté tous les deux déjà la CEFL. Il me semble que la CEFL, les Flash ne l'ont pas remporté. Si ah ouais? Ça, c'est une info que j'irai chercher. Les Blacks, je suis sûr. À l'époque de Stéphanie Yepmo, etc. Ça, ils l'ont gagné. Et les Flash, je sais pas. Je vais aller chercher l'info. En tout cas, les Blacks ont gagné 3 fois le championnat élite. Ouais, et là, TD de Nicolas Corda. Juste avant. Ouais, je me suis un peu avancé. Les Black Panthers qui sont 3 fois champions France. Et les Flash qui sont multiples champions de France. On ne compte plus le nombre de titres. Je pense que pour les Blacks quand même, je pense que la finale perdue de l'année dernière, contre le Flash, ici, elle a laissé des séquelles. Bien sûr. Donc je pense que c'est que mon avis, hein, mais je pense que les BP préféreraient probablement gagner le championnat élite. Maintenant, ça reste deux grosses écuries. Nicolas Cordard qui suit avec bien ses blocs. Le bloqueur à l'extérieur. Il va chercher le projet. Attention, il y a un flag. Et puis derrière, ça pousse un peu. Voilà. Donc, je pense à choisir que les BP préféreraient probablement gagner le championnat élite, sachant qu'ils... Alors, on c'est pas encore fait, mais si c'est le Flash qui gagne ce soir contre les Blue Stars, il y a une petite revanche quand même. Donc, je pense que... voilà. Maintenant, c'est deux grosses équipes avec deux gros palmarès. Et je pense que ce soit l'une ou l'autre, quand on va faire une finale, on y va pour la gagner, quoi qu'il arrive. Ah, c'est sûr que le mental, il est prêt, quoi qu'il arrive. On est en finale et on veut gagner. Ça, c'est super dur de perdre une finale. Donc, comme tu l'as bien, t'as bien résumé, les BP ont une revanche à prendre. Et pas forcément que contre le Flash, mais contre eux-mêmes. En tout cas, il y a eu pas mal de flags là, on va voir ce que c'est. Voilà, c'est là, les BP qui sont sanctionnés. En tout cas, ils sont en train de gérer le temps. Ouais, on entame le quatrième quart-temps, 11 minutes.
27-7, ça ferait très très mal aux pionniers de prendre un touchdown là, maintenant. Là, ça serait dommage parce que ça les obligerait à lancer et à jouer vite. Et on sait que malheureusement, c'est pas forcément. C'est pas comme ça qu'ils arriveront à gagner le match. On l'avait dit au tout début, le but pour les pionniers, c'est de garder la balle le plus possible. C'est ça. En jouant vite, si là ils prennent un TD, ça va être compliqué. Allez, PO en motion. Alors, est-ce qu'on aura le même jeu à chaque fois. C'est le même jeu. Ouais, c'est bien lui. Oh là. Ouais, là, par il contre, est pris cette fois-ci. Ouais, il est parti. Ouais, il est parti. Oh, le fumble, c'est incroyable. Oh là il là. Est sur les 40. Il est sur 40. Il continue. Ouais, Jacques qui vient bloquer. Jaborak n'arrive pas à bloquer. Il est sur les 10. Et il va c'est un touchdown. C'est incroyable. Super. C'est incroyable. Super. Aurélien Dassy qui nous fait un pick 6 sur une balle arrachée à Nicolas Kandar. J'ai vu un flag, mais quelle action! Et là, il vient Kandar qui essaie de repiquer et qui se fait arracher le ballon par le numéro 2. Oh là là, et là, ça relance totalement le match. Hein. Et ça nous a même réveillé. Hein. Ah ouais, ça relance totalement le match. On va revoir l'action au ralenti. Regardez, motion de PIO, depuis tout à l'heure ça fonctionne. Il repique et là le numéro 2 qui vient arracher le ballon. Ah ouais, magnifique. C'est magnifiquement joué. Et là c'est parti pour le numéro 2. Et Jacquin, regardez Jacquin, le numéro 24, qui revient, qui va bloquer Tabora, un bloc très important. Et très intelligent, qui s'arrête quand il voit que le QB est devant lui pour pas faire bloc dans le dos. Alors on a vu qu'il y avait un flag, je sais pas trop ce que ça peut être, j'imagine que ça va être... Alors, j'ai pas l'impression on que ça soit un bloc dans le dos parce que... Et là, le turnover, le score qui a été inscrit, hein, donc le 13, ouais. On va voir s'il va être enlevé. Et puis en plus, il y a l'équipe de field goal qui est sur le terrain. Donc... Alors, on écoute. Voilà, le touchdown a été appelé. Ouais, touchdown. Ah là, c'est incroyable. Et ça relance complètement le match. Ça relance complètement le match. Et ouais. Et là, 21-13 ou 21-14, alors qu'on était à quelques minutes du 27-7, c'est pas la même. Hein. Là, ça relance totalement le match. Et la formation, on regarde la formation extra point particulière des pionniers, on est tout droit. Et ça passe. Ça passe. Adèle qui était presque. 21-14, les amis. 21-14, les fans de football américain, nous avons un match. On commençait à s'endormir, je parlais de break, je parlais de touchdown qui aurait pu tuer le mental. Et là, vraiment, c'est un jeu incroyable que le numéro 2 nous sort. C'est vrai que ça a été le petit péché de M. Kandar contre le flash. C'est vrai qu'il a eu peut-être le seul petit point noir de toutes ses stats. Le petit grain de beauté, c'était ça. Hein, c'est ça, c'est qu'effectivement, il a eu pas mal de turnovers. Enfin, pas mal. Mais là, il a eu quelques turnovers cette saison. Quand mais là, c'est incroyable. En goal line, c'est un jeu, peut-être le jeu de l'année. Si les pionniers arriveraient à renverser le score. Et là, ça va relancer toute l'équipe. Hein. Je vous assure que le match, il n'est pas fini. Restez avec nous. Alors, j'ai pas suivi. Mais il me semble qu'il y a une conduite antisportive. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. C'est ce qui a été appelé tout à l'heure en faute de balle morte. Ah, les coachs qui... même les coachs, hein, je pense que c'était... c'est magique. Ah bah, c'est sûr que là, ça remotive tout le monde. Hein. Là, ça sera forcément pas le même match. Alors, est-ce que tu peux me trouver le numéro 2? J'ai pas le... C'est Monsieur Dassy qui s'appelle linebacker. Alors, on a Romain... Aurélien Dassy. Alors, il y a Romain Chesne, je sais pas comment ça se dit, qui essaie de nous troller. Mais cette fois-ci, ça fonctionne pas, mon ami. Alors le match qui est là, par contre la faute qui fait très mal, on sait le pouvoir des kick-off return côté... côté Black Panthers, ouais. C'est ça. Il faut absolument qu'ils fassent un bon retour, en plus ils sont bien positionnés hein, avec la faute. Alors je pense qu'ils vont essayer probablement de refaire soit un sky kick, soit un sky coup kick de pied dans court. Pour essayer... Bah, ça serait compliqué là. Effectivement. Ouais, il faut vraiment envoyer la loin, gomme. Et Adèle qui prend la balle sur les 40. Allez, il a de l'action. Il a de la vitesse. Attention à lui. Il va aller marquer. Il est pris. Mais il fait 20. Il arrive sur les 20, quasiment. Sur les 30.
Il arrive sur les 30, visiblement. Ouais. Bonsoir à toi, Titouane. Et vous pouvez dire à Romain d'aller sur le live des flashs. Le troll ne fonctionne plus. Alors là, du coup, Adèle qui remet, enfin l'équipe spéciale des DBP remet la balle dans de bonnes. Ah, Nicolas Kandark est sorti. Hein, bonne condition. Ah, là, je pense que les coachs. Non, mais comme quoi, on peut être le meilleur running back et malgré puis, tout être sanctionné. Il court beaucoup depuis le match. Il n'a pas forcément eu de. Et puis le rookie a de bonnes stats. Hein. Attention, il y a de l'espace. Jacquin qui. Oh, ouais, Jacquin encore une fois. Là, toujours là. Hein. Encore une fois, avec un bras et puis il vient mettre le deuxième. Ouais. Vraiment très très bon. Hein. En défense, ça a vraiment été. Je pense que sur ce match-là, on peut nettement, même si là, pour le coup, le numéro 2, Aurélien Dassy, a fait un super jeu. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, Jacquin a vraiment été omniprésent. Hein. Vraiment. C'est le joueur défensif par excellence, côté punier. Allez, Tabora qui scanne. Cette fois-ci, on n'attend plus la fin du chrono. On va aller chercher le TD. Il y a de la pression. Attention. Ça a été touché, je crois, hein, par un D-line. Ça a été typé, hein, ouais. C'est ça. Et encore une fois, on va être en 3e, l'a dit tout à l'heure, mais sous pression, les Blacks qui ont du mal. Qui ont du mal à avancer. Là, on est en 3e, c'est bien défendu. Les deux premiers jeux ont été maintenus. C'était deux passes. Nicolas Kandar, qui je ne vois toujours pas, qui prend un drive de repos. En tout cas, une formation empty. On va aller sûrement chercher Payo ou Jake. Attention au match-up en bas de votre écran également. Avec Durant Félix. Jake qui est face à Jacquin, hein, encore. Allez, Jake. Jake est tout seul. Ça donne Jacquin. C'est incroyable, par contre, il s'est fait mal, je pense. Qu'il s'est fait mal. Mais Et là, pour le coup, je mettrais quand même un petit bémol sur Tabora qui a mis du temps à la lancer. Parce que je pense qu'il était ouvert bien avant. Et si on la revoit au ralenti, je pense qu'il a mis un peu trop de temps à lancer, ce qui a permis à Jacquin de revenir. J'espère qu'il va pouvoir revenir sur le terrain. Parce il, que a pris un, il a pris. En fait, ils se sont rentrés dedans Ouais, j'espère qu'il va pouvoir revenir parce que ça a vraiment été. Ça a vraiment été le joueur défensif. Ah, hein. Il est sur l'américain, alors que c'est un U20. Il arrive à le contenir. Et là, donc vraiment, c'est un joueur incroyable. Alors, Ozzy qui nous dit si on ne peut pas commenter l'ELF parce que le commentateur ELF est un peu mou. c'est très gentil de ta part, déjà. On va remonter ton information à qui de droit et puis on espère que pour la saison prochaine ou pour la fin de saison pourquoi pas peut-être des surprises voilà on sait jamais des transferts ça se fait aussi dans les commentateurs des transferts donc voilà mais c'est gentil de ta part en tout cas merci à lui et où est le 84 des pionniers? Alors on l'a dit au tout début du match, il est blessé. Animel Alexandre qui est blessé, donc qui peut pas être là forcément. Blessé à l'ischio, j'ai pu échanger avec lui. Il était aux États-Unis, du coup pour les camps, pour essayer d'avoir une bourse universitaire. Et puis il s'est blessé, donc pas présent ce soir sur le terrain. Mais je pense que il est avec nous dans le chat depuis tout à l'heure, donc je pense qu'il est avec les pionniers. En tout cas, Jacquin qui prend du temps à se relever, ça m'inquiète un petit peu. Ouais. Il a pris un coup au niveau du bas du corps. Ah, c'était assez violent. Ouais, je me demande si c'est pas le genou ou s'il avait l'air quand même de. Ah, je pense que c'était plus bas du corps. Ouais, d'accord. Peut-être revoir l'action à la régie. Ils vont peut-être nous envoyer l'action. Mais on va le revoir. Il était un peu en retard. Il a réussi à revenir grâce à son explosivité. Et comme tu l'as dit, le QB qui lance la balle un peu en retard. Et ensuite, il rentre dans il se rentre vraiment dedans et... Bon, alors déjà, il se relève. Il a l'air... Bon, déjà, il marche. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Il n'a pas l'air de trop boiter. Il a peut-être pris son temps. Après, il a peut-être... c'est peut-être aussi simplement le souffle coupé, un coup. Bon, après, il n'a pas l'air très confiant sur sa... À voir. En tout cas, bon, si... On espère le revoir parce qu'il a fait un très, très bon match. Et là, c'est une quatrième et il a joué. Ouais. Ah bah là, oui, là, faut y aller. Hein.
Allez. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'ils vont jouer sur le remplaçant du 24? Alors, il y a des match-up de partout. Peyo. Allez, à l'arrière à gauche, c'est typé, quelle défense. Superbe. C'est superbe mangé par le numéro 1. Très bien joué. Qui est venu typer. Et là, ça relance totalement les pionniers. Et là, il y a encore une fois un début de conflit. Le numéro 7 qui rentre dans la tête des joueurs. Et là, c'est dommage. Attention au numéro 7, hein, Chris qui doit rester dans le match. On peut trash talker un tout petit peu, mais pas trop, à pas prendre des flags, ça serait dommage. C'est une quatrième. En tout cas, les pionniers, 9 minutes 49, ils ont le ballon. Ouais, ils peuvent aller chercher. On va revoir l'action en côté à gauche. Donc, Jake qui sort en tracé. Et là, c'est super bien défendu. Numéro 1 et même le numéro 5. Le numéro 5 qui vient mettre le contact justement pour empêcher le catch. Allez, là, le public qui va devoir. Qui va encourager. Devoir donner de la voix là. Allez, attention à la petite flat. Allez, c'est catch le numéro 10. 10. C'est bien joué, il faut repiquer. Ah oui, c'est pas mal. C'est super bien joué. Allez, il vient prendre. Attention, on se relève doucement. Ah, il a gagné bien 6-7 yards, hein, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression que la balle est donnée au-delà des 30. Ouais, il a bien gagné. C'est vrai, il doit être à 7 yards. On doit être en deuxième et 3. Deuxième et 3. Très très bon premier jeu. Allez, il faut absolument que la défense prenne pas l'eau là parce que c'est très très compliqué et ça serait une très très grosse surprise si les pionniers venaient à prendre cette place. Alors attention, on a une petite motion. Allez, motion là. Motion numéro 22, allez. C'est de la malle. Ah, là, c'est bien joué. Allez, il faut accélérer. Il s'est bien suivi. C'est bien suivi. Timon Debiez là. Timon Debiez et qui dit non. Ouais, très très bien suivi. C'est parce magnifique. Que... Ah, il a super bien joué. Il a très très bien joué défensivement. Le jeu est très très bien appelé. Hein. Il attendait ça, la petite reverse. Le jeu est très très bien appelé offensivement, mais c'est vrai que là. On va le revoir au ralenti. Hein. Regardez. Ouais. Là, c'est donné. Et numéro 15, Timon Debiez. Présent, boum. Ah ouais, et là c'est il vient très, contacter très bien et on joué. Vient essayer d'arracher le ballon, c'est super bien et joué. Il a par été très très discipliné là-dessus parce qu'il y en a plus d'un qui serait parti à l'opposé. Et effectivement, très très bon jeu offensif appelé. Et malheureusement, quand ça rencontre un très très bon jeu défensif, voilà. Alors, petite dédicace à Martine Bruno qui nous suit dans le chat, à Ryan également. Attention flag. Alors. Sûrement delay. Ouais. Ouais, ça fait plusieurs fois. Hein. C'est dommage hein, parce que vraiment, avec toutes les tous les drops, tous les delays, je pense que vraiment les BP auraient, les pionniers auraient pu se mettre en sécurité bien avant le quatrième quart. Hein. Alors parlons football. Quentin fait une petite pub pour Mickey Larson, le contenu le plus divertissement de l'Edit. Eh oui, je suis obligé de lui faire une petite dédicace. Bah hein. Oui, forcément. Forcément. Edit 44 Elite, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Instagram. Ouais. On essaye de pousser tous les et d'ailleurs, les artistes et du d'ailleurs, football américain. On parlait de l'ELF tout à l'heure et il y a un vlog, le vlog de Stanley qui est filmé par Alexis Bira. Il y a déjà 3 épisodes. Et c'est vraiment pas mal et vous avez l'intérieur de l'équipe ELF. Ah bah, c'est là pas là catch, là c'est là dommage. Là ouais, très beau catch du coach. Chipo, tiens, bravo. Ouais, qui, il n'a pas, pas souvent l'habitude de les faire, mais celui-là, catch à une main. J'aurais bien vu un pick 6 de Hippo. Ouais. Donc, non, le vlog de Stanley là, qui vous met un peu dans, bah, vraiment dans en inside de l'équipe ELF de Paris. C'est ça. C'est vraiment pas mal, c'est bien filmé. Alexis Bira qui travaille aussi pour la Ligue Île-de-France, etc. Donc, il y avait vraiment un beau contenu à aller voir et c'est important pour tous les fans de Foot US de soutenir tous les projets comme ça. C'est important que ça fonctionne. Et dans le même style, vous avez Jason Bofunda également, exactement. Qui fait à peu près la même chose, un peu différent, peu plus drôle. Et Brice Jacques plus... aussi. Ah. Et voilà, il faut soutenir tous ces gens-là parce qu'effectivement, mais blague à part, c'est eux qui font aussi vivre le foot et c'est important. C'est pas que les matchs, le football, le punt est un... Attention Et là, ça sera flagué. Et là, c'est dommage. Et là, c'est dommage parce que là il a manqué de lucidité. Il l'a pas vu, je pense qu'il l'a pas vu. Je pense qu'il l'a pas vu. Je pense qu'il l'a pas vu. Non, Le fair catch, j'aimerais bien revoir au ralenti. Est-ce que le fair catch était clair? Nous, on l'a vu. Est-ce qu'il était super haut? En fait, on va le revoir. Les coachs plaignent du mouvement. Ah,
Non, il se plaignait du mouvement, mais non, il est clairement. Mais j'aimerais quand même signaler la forme tackling est incroyable. Très beau plaquage. Alors, rien à dire. Mais oui, c'est une faute. Très beau plaquage. C'est un bon flag, il n'y a pas à discuter. Ah non, ça sera. Alors, par contre, est-ce que c'est pas. C'est donc une faute personnelle? Alors, on va voir. Ça peut être problématique pour lui. En tout cas, ce qui est bon signe, c'est qu'il est revenu sur le terrain, le Jacquin, donc c'est déjà bien. Voilà. Numéro 24. Alors attention, parce que donc c'est sa première faute personnelle, il ne peut pas en prendre une autre. Hein. Sinon, c'est carton jaune. Sinon, c'est expulsion. Hein. Et puis, s'il gagne et qu'ils vont en finale, il fera beaucoup. S'il n'est pas là, il fera vraiment. Il manquera beaucoup à cette défense. Hein. Ah, pour moi, c'est clairement. Ah oui, c'est. Bon, après, le numéro 2 fait un très beau Pixis avec le ballon arraché. Mais sur l'ensemble du match, c'est Jacquin. Il n'y a pas de. Il est sur toutes les actions, il est sur tous les plaquages. Là-dessus. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Teddy Beer, le fair catch était clair, oui, mon ami. Oui, très clair, rien à dire. Allez, les punais qui donnent de la voix. Allez. On veut un turnover, attention. Ah, Kevin, ça va être une course pour Nicolas Kandar. Allez, c'est donné, il y a du temps. Attention, parce que... c'est bien plaqué, encore une fois. 93, là, et le numéro 2 encore. Hein, Eh bien, écoute, quand c'est pas le petit frère Jacquin. Aurélien Dassin. Quand c'est pas le petit frère Jacquin. Eh ben, c'est l'autre. C'est le grand frère, Claudio, ancien équipe de France. Allez, les Black P qui doivent trouver la solution. Allez, peut-être aller chercher Peyo, on l'a pas beaucoup vu. C'est vrai hein. qu'on l'a pas beaucoup vu, ils l'ont utilisé que sur des sweeps. C'est des sweeps, jet sweep. Mais j'aimerais le voir dans le deep. Ouais, il serait peut-être intéressant d'aller le chercher effectivement sur là où il est le meilleur. Dans le deep. Alors après je pense qu'il est très Allez, play action pour Jake. C'est bien suivi. C'est bien défendu. C'est bien suivi. Oh, c'est très bien défendu là. Ah, il ne trouve pas la solution, tout est à téléphoner. Hein. Brian Billy qui fait un gros travail d'ajustement. On peut le voir. Il s'est ajusté parfaitement. Et après, il connaît très bien les Black Peas. Il y a joué pendant longtemps, donc effectivement, ça aide. Hein. Et là, boum, on voit le numéro 5. Très bon travail. Hein. Et puis très bon plaquage aussi là-dessus. Hein. Très bon plaquage. On va chercher la solution et on est en 3ème et 11. 3ème et 11. Allez, les gars. Et là, ça va être compliqué. Hein. Il faut y aller côté BP. Si vous êtes pour les BP. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. En tout cas, ils ont besoin de vous. Virtuellement, bien sûr, vu que vous n'êtes pas là. Mais là, on est en spread. Allez, peut-être une screen pour Nicolas Kandar. On va essayer de chercher Peyo ou Jake. C'est les cibles. Peut-être Nicolas Kandar. Il y a de la pression. Allez, Taboret qui doit y aller. Il y a un flag sur Mahouding. C'est dommage. Allez, parce il faut qu'il sortir du terrain. Attention, pas de faute. C'est dommage parce qu'il est parti chercher la première. C'est un holding. Taboret qui le voit et oui, qui est déçu. Clairement déçu. Ouais, parce qu'il s'est battu pour aller chercher la première. Et puis là, ils vont se retrouver en 3ème et 20. Ça va être compliqué. Hein. Là-dessus, en tant que, n'importe quel coordinateur défensif, offensif, il n'y a pas de jeu pour gagner une 3ème et 20. Hein. C'est vraiment. On va chercher soit son playmaker. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, malheureusement. C'est vraiment dommage. S'il y a un dieu du football, on commence à l'appeler. Ouais, c'est ça. Et exactement. Puis là, 6 minutes 10. Il faut absolument pas se faire intercepter. Non, et puis ils sont obligés de jouer long pour le coup, parce qu'il faut aller chercher la première. Parce qu'en plus de ça, comme ils sont dans leur partie de terrain, ils pourront difficilement jouer la quatrième, à moins qu'elle soit très courte. Donc il va falloir jouer long là. Proposer sûrement du MT peut-être. Non, une protection. Non, MT. Voilà, non, MT. Ouais, avec Nicolas Kandar qui se place en receveur extérieur. Allez, troisième et wow, comme on dit. Alors, attention. Allez. Il a du temps, il va attendre le temps. 3 secondes, il faut jouer. Ça va être une passe. Jake, il y a Jake en situ... Allez, c'est une longue passe. C'est vers Kevin. Et va la voir. Elle est magnifique. Quel catch. Elle est magnifique. Incroyable. Elle est considérée pas catchée. Elle est pas catchée. L'arbitre qui dit qu'elle est pas catchée. Ça touche le sol. Alors, de notre côté, on voit pas. Mais l'arbitre était très bien placé. Ah, le public va pas être content. J'aimerais bien encore une fois la région. On vous sollicite beaucoup. On aimerait revoir l'action. On voit Tabora, une main, il regarde, il scanne et il lance, il donne tout ce qu'il a. Et Kevin qui vient, pour moi c'est catché. On voit pas très bien, malheureusement. L'arbitre est bien placé après, hein. on peut que lui faire confiance. Mais... c'est terrible. On peut que lui faire confiance, mais malheureusement. Et là, regarde, on est dans la même situation tout à l'heure. Le punt avait été raté. Simon. Le punt avait été très compliqué, attention au snap. Et on a chacun en retour.
incroyable. Attention allez. Au snap. C'est parti, ah, le on snap est bon. Oh là, attention, il a pas. Oh là là, attention, là, c'était là, juste. Et là, attention à la faute sur Adèle. Xhaka qui part. Allez, il est pris. Il accélère allez. Vers la droite et il va sortir du terrain tranquillement. Il va vite. Hein. Attention à lui. C'est bien, c'est bien. Il a gagné. Il est quasiment revenu sur les 40. C'est très très bien. Et ouais, je reviens juste sur le catch. De notre point de vue, c'est catché, mais on est de dos. On est de dos, on peut pas voir. J'ai l'impression que la balle bouge un peu et je pense que c'est ça que l'arbitre. On voit que le catch n'est pas net. C'est-à-dire que quand il attrape la balle, on la voit légèrement bouger. Je pense que c'est ça que l'arbitre a décidé compliqué de dire si c'est, ouais, si c'est catché. Puis, après, bon, l'arbitre est bien placé pour le coup. C'est là, ça. Pour le coup, on peut pas. Autant des fois, les arbitres sont pas forcément bien placés. Là, il est juste en face. Donc on ne peut que lui faire confiance. Comme j'ai dit, hein, comme j'ai un peu coaché les receveurs. Si tu veux pas te plaindre de l'arbitre, exécute les caches correctement. Reste debout. Ouais, belle balle le ballon bouge. C'est au sol. Et là, c'est au sol. Donc c'est un drop. Et là c'est un drop. Ouais, effectivement, on l'a bien vu au ralenti. Là. Merci à la régie pour ce super ralenti. Merci beaucoup la régie. Et donc bah, la première action c'était une course qui a gagné que quelques yards. Hein, donc deux yards qui a gagné un ou deux yards. Ah non, Titoine, on l'a vu au ralenti. Non, ouais. Ça touche le sol. Malheureusement pour. C'était Félix, hein, si je dis pas de bêtises, ou Kevin. Ah, c'était le numéro 10, ouais. C'était Félix Durand, ouais. Ouais, donc c'est, ça touche bien. Ça touche bien le sol. Merci à la formation régie. Formation MT pour les pionniers. Ah, on est déjà en deuxième et 8. Allez. Motion. Allez, ça traîne. Petite shuffle pass. Attention à la grille, hein. Ouais. Attention à la grille. Voilà, c'est flagué. Voilà, ouais, c'est flagué. Ça va être face mask. Ouais. Et ça commence même côté pionnier à sortir un peu le playbook, à sortir un peu les jeux feintés. Là, on a vu tout à l'heure la reverse. Là, on voit la shuffle pass. Donc, on commence un peu à sortir les petits jeux. Ça va donner une bonne fin de match. Très, très bonne fin de match. Petite récompense pour la régie. On est au commentaire. La régie, les gars font le taf. On a également la régie de la FFA MVP du match. Donc en tout cas, la régie, vous êtes le MVP voilà. D'après les commentaires. Donc bravo à vous. Vous êtes passé devant nous. Vous êtes passé devant les joueurs et devant tout le monde. Allez. On a une de trips à droite. Allez, c'est reparti. Allez, attends, une belle course là, une belle course. Allez, Ulysse. Allez, Ulysse. C'est passion, il passe. Ouais, c'est pas mal. Allez, va dans le. C'est bien. Il y a un blessé côté BP. Et je crois que c'est le 99. Je pense que c'est le Brésilien. Je crois que c'est Montagné Gabriel. Il reste au sol là. J'espère qu'il est conscient. Il me semble pas bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu l'action. Par contre, là, c'est un peu bizarre là. Alors il bouge. Ah ok, ça, parfait. Déjà, c'est bon signe. Parfait parce qu'il était un peu immobile. Il était immobile, ouais. Alors après je pense que... Un petit blackout peut-être. Ouais, je sais pas, après on n'est pas dans... Il était quand même immobile. Hein. Ouais, il faisait peur, ouais. Mais bon, alors bon, il lui a enlevé son casque. Après c'est toujours pareil, hein, malgré tout, avec des athlètes comme ça, avec ce poids, cette taille, ça demande, il demande beaucoup, beaucoup à son corps et parfois, bah voilà, hein, ça... La fatigue, etc., c'est toujours beaucoup plus compliqué pour ces physiques-là de tenir tout un match à ce niveau-là. C'est ça. Ah, et puis il a eu un sac tout à l'heure, mais la O-line des pionniers, on n'en a pas assez parlé, je trouve. Elle fait un énorme travail. Un boulot. C'est leur meilleur match, clairement. Contre les Flash, c'était pas aussi bon. Après, c'est sûr que contre le Flash, il y a deux DN américains. Ouais. Mais même contre Toulouse, hein, c'était plus compliqué. Et là, je trouve qu'ils font un boulot incroyable. Ouais. Les ajustements qui ont été faits. En tout cas, ils. De toute façon, on le voit. Un seul sac pour. Contre les pionniers, enfin pour les pionniers, enfin sur le QB pionnier, face à une défense qui est quand même réputée pour être assez agressive, c'est que la O-line fait le travail. Hein. C'est ça. Et puis Montagné Gabriel qui sort en marchant, donc ça fait plaisir. Ouais. Côté BP. Oui, il a l'air. Je pense qu'il va se reposer un peu et puis on va le revoir au prochain drive. Ah, on espère. En tout cas, on est reparti. Allez, première. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous propose? On a Jacquin dans le backfield. Ouais. Attention à lui. On a un match-up en haut de votre écran, voilà, c'est donné, on va le chercher tout de suite. Allez, quel bloc du receveur numéro 10
le receveur pionnier numéro 10 qui fait un bloc incroyable. Ouais, il me semble que c'est sur Adel en plus. Sur le 26. Ouais, sur un le bloc 26. Qui permet d'avoir la première. Ouais, sur Dylan Dumas, ouais. Ah, le bloc est bon. Mais globalement, hein, on n'a pas eu énormément de fautes sur ce match. Enfin, beaucoup de conduites non sportives, de fautes personnelles, mais pas beaucoup de fautes dans le jeu. Pas beaucoup de holding, pas beaucoup de blocs dans le dos, pas beaucoup de choses comme ça. Donc c'est que ça joue bien. C'est que ça joue bien, voilà, et c'est discipliné. Clairement, très très bien coaché. Ils arrivent à maintenir la pression. Parce que Léo Tichosseur qui n'a pas de sac alors qu'il fait, fait une très bonne saison. Oh, quand je parle de lui, il rate le plaquage. Il gagne des yards encore. Hein. Désolé. Il va chercher la première. C'est ça. Donc je disais, le numéro 13, BP, Tichosseur, Léo, qui fait une bonne saison, et là, qui n'a pas de sac. Ouais. Donc c'est bien gardé, et puis je parle de lui, puis malheureusement, il rate un plaquage. Ouais. C'est souvent comme ça, quand on cite les noms en règle générale. En tout cas, on a eu un turnover côté pionnier. Il faut un turnover côté Black Pay, voilà. Pour sauver le match. Et quel turnover, parce que pick 6. Hein. Ah, il faudra donc un pick 6 de Adèle ou de Timon. Et ouais. Lucas qui pourrait se rattraper aussi. Ouais, bien sûr. Bon, là après, de toute façon... là, je trouve que, et là, je trouve que c'est intelligent de la part du coach pionnier, parce que on pourrait s'attendre à ce qu'il joue vite, mais il prend son temps. Pourquoi ? Peut-être qu'ils vont la jouer à deux points. Voilà, et il a 3 minutes, il prend son temps. Je pense qu'il faut malgré tout éviter de laisser trop de temps à l'attaque Black Panthers. Donc c'est intelligent. Qu'est-ce que tu fais si tu es en goal line et puis qu'il reste 1 minute? Tu la joues à 2 points ou tu fais ton extra point? Alors, vu le nombre de joueurs qu'ont les pionniers et le fait que beaucoup jouent en double plateau, je tente le tout pour le tout. Au pire, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux jouer le tout pour le tout, parce que globalement, on commence à avoir quand même de la fatigue de la part du numéro 7, même Jacquin. On voit que voilà, la faute qu'il fait, on sent clairement que c'est sûrement dû à la fatigue. On voit le numéro 15, le numéro 17 sont quasiment plus arrivent plus à se libérer. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, et c'est normal, hein, beaucoup font du double plateau, voire plus, parce que Jacquin joue des fois en attaque, en défense, beaucoup sur Special Team. Après, c'est toujours pareil. N'hésitez pas dans le chat, c'est la question du moment. Nous, est-ce que facile. Vous la jouez à 2 points? Nous, c'est facile. Après, on ne connaît pas comment sont les joueurs, l'état de santé, le mental. Donc, c'est toujours plus facile de notre côté, mais ouais, pour le foot, je la joue. Allez, passe. Attention au 22 qui est tout seul. 82 qui est tout seul. Ah, c'est un drop. Dommage. Qui était bien suivi par le numéro 14, Rod Guillaume, qui était derrière, mais un peu en retard. Et là, il faut catcher ses ballons. Je vous répète, hein, dans le chat, dites-nous si vous la jouez à 2 points ou à 1 point si les pionniers arrivent à marquer. Allez, 2e et 10. Ils ont encore le temps. Le temps est arrêté. Il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. 20 secondes. Là, il a le temps de scanner cette fois-ci. Hein. Ouais, trips à gauche, petit côté. Avec le 15 et le 17. Ah non. Alors, c'est le 15 attention, le 10. Au match-up en haut de votre écran. Ouais. Le match-up en haut de l'écran. Allez, on va aller le chercher. Ah ouais. C'est ça, on va le chercher. Allez. Ah, la passe qui est pas mal ajustée. Elle est mal ajustée. Ouais, je pense qu'il y a eu de la pression. Ah, trop, ouais, il s'est un petit peu pressé pour lancer. Mais pour le coup, je trouve que Kevin Grandjean n'était pas forcément battu. Il était bien sur son vis-à-vis. Et puis, il faut être courageux pour presser quelqu'un alors qu'on n'a pas alors qu'on a personne derrière. Personne derrière. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je suis d'accord. Allez, c'est une 3e et 10. Allez, alors sur le chat Sportmag, on répond à ta question, Brice. Hein. Beaucoup la joue à 2 points. Ah hein. Oui, hein. 3e et 10. Allez, c'est une trips. Quoi qu'il arrive, on va jouer la 4e. Allez, faut mettre de la pression. C'est une trip pour Ulysse, c'est bloqué. Oh, il y a un fumble. Fumble. C'est un fumble. C'est turnover. Ah, c'est un fumble. Turnover. Alors, visiblement. Ah non, alors ils appellent pas ça complète, les arbitres. Les arbitres appellent pas ça complète. Ça va être une 4e et ça va la jouer. Hein. Oui, ils ont pas le choix. Et c'était très bien suivi. J'ai pas vu le numéro. C'est le numéro. Je dirais 15. J'allais dire 11, mais il est pas sur le terrain. Donc c'est le numéro 15, je pense. Lucas Velure qui a. On va sûrement le revoir rapidement à la régie. Qui a fait le plaquage au ralenti. Mais c'était très bien suivi. Très très bien. Très très bien. Ou peut-être le 41. J'ai vu un 1.
En tout cas, c'est une quatrième, c'est le jeu du match. Allez. 2 minutes 32, 21-14. Allez, là, faut la passer. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. 2 minutes 32, faut la passer. Allez, cette fois-ci, On a vu une bonne pression de la D-line sur le jeu d'avant. Ouais, on a mis deux running backs. On a mis deux running backs, on veut de la pression. Allez, peut-être une screen pour Jacquin. Jacquin qui sort en tracé de passe. Jacquin, c'est pour lui. Non, il est pour lui. Jacquin qui cache la balle. Il est parti. Il y va. Incroyable. Oh là là, incroyable. Il sort en tracé de Will. Incroyable, il nous fait un match incroyable. Un U20 qui arrive à faire tout ça. Catcher le ballon, jouer en défense, être partout sur le terrain. On va le revoir au ralenti. Et là, il prend son temps. Le QB qui a du temps, encore une fois. La O-line qui fait le boulot. Et le 41 qui est en retard. Roll Guillaume. Et là, il arrive à esquiver le plaquage. Incroyable. Et il veut son titre de MVP. On disait Nicolas Cordard, il veut le MVP du match. Hein, clairement. Là, effectivement, Jacquin est impressionnant des deux côtés. Hein. Et il a besoin de temps pour souffler. Et on vous disait tout à l'heure, je vous ai posé la question. Si les pionniers marquent, qu'est-ce que vous faites? À un point ou à deux points? En tout cas, il y a du bruit. Alors là, je pense qu'on va courir avec Ulysse Le Bihan. Allez, motion. Allez, jet sweep. Avec le 15, c'est pris. Sweep. Normalement, il est pris tout de suite. Il est pris et là, il y a toute la défense. Ouais, hein. Un gang tackling. Qui vient mettre la pression. Ah mais c'est intelligent, ça laisse couler le temps. Ah ouais, je pense qu'il faut absolument qu'il rende la balle des BP. Ulysse qui s'est blessé. Il faut mettre le genou au sol. Mets le genou au sol. Mets le genou au sol, effectivement. Parfait. Voilà, très bien, ça arrête le temps. Voilà. L'arbitre qui doit siffler. Mais en fait, comme il est proche du huddle, je pense qu'il ne. Bon, c'est sifflé. Enfin, on a deux joueurs au sol. Théo. Théo Gambagui et Ulysse. Et là, vous assistez à un très beau match de football. Hein. Beaucoup de flags, mais franchement, il y a des très beaux jeux, des big plays. C'est un bon match de football, une belle demi-finale. C'est ça. Ça répond aux attentes. Et moi qui disais que les Black Bay étaient ultra favoris, en tout cas, les pionniers Je pense que tout le monde le disait. Hein, là-dessus, il n'y avait pas trop de surprises. Hein. On le rappelle que ce soit au premier match ou au deuxième match, les BP ont gagné avec plus de 30 points d'écart presque à chaque fois. C'est sûr que personne ne s'attendait à ce résultat-là. 1 minute 30, 21-14, les pionniers. On a Jacquin sur le terrain, attention dans le backfield. Attention à la petite wheel ou à la petite flat. Allez, 88, attention à la 82, flat là, sur 82 tout seul. Ça va être une troisième, les amis. Une troisième à suivre. Là. Eh ben, c'est plus de notre âge, hein. Même nous, on est stressés. J'espère que vous l'êtes aussi. Ils vont nous avoir, hein. Derrière l'écran, troisième. On vient de voir le poton down qui est donné. Allez. Allez, de toute façon, ils sont obligés de jouer la quatrième. Hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas de. Et Théo Kambagui qui revient. Jacquin qui sort. Allez, qu'est-ce qu'on va nous proposer? On sait que le QB ne court pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de yards à faire. S'il a un peu d'espace, on l'a vu. Hein. Il a pris des yards avant. Attention, il reste 5 secondes. Tout le monde en presse. On veut mettre la balle dans le sol. Dans le ciel, attention, pardon. Attention. Il y aura de la pression. C'est bien défendu. Quelle défense du numéro 26 là. Dylan Dumas là. Superbe défense. Qui sort le jeu. Ah ouais, là, ça va être une quatrième les amis. Ah ouais, quatrième. 1 minute 18. Et là c'est tout ou rien. Là c'est simple. Soit il marque, soit c'est la fin. Et là le release qui n'était pas bon et la balle qui était un peu derrière. En tout cas, le match-up qui n'a pas fonctionné. Très très bonne défense du numéro 26. Hein. La défense était incroyable, le type. Très bien défendu. Les pionniers jouent leur saison. Allez. C'est ici et maintenant. Attention. Allez, et ça c'est bien joué. C'est maintenant. On va voir. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Il y a un flag. On attend. Alors peut-être une formation illégale. Formation illégale, mais il a eu raison d'aller jusqu'au bout. Oh là là, c'était incroyable. Quelle lecture il a eu. Il avait vu le jeu. Oh là là, magnifique travail d'Adel Bavdil. C'est pas pour rien que c'est le meilleur corner de France. Hein. Ce soir, il doit jouer au loto, les amis. C'est incroyable. On a un match. Hein. Vous assistez à un très gros match. Attention au flag. Qu'est-ce qui se passe? On attend ça. Alors les pionniers appellent la première. Appellent un flag de côté.
Alors, ah là, les arbitres qui sont. J'arrive pas à voir, voilà, là, on s'est énervé. Désolé pour vos oreilles, mais c'était vraiment incroyable. Quel match! Incroyable. Alors. Donc c'est une faute pionnier. Donc voilà, c'est on recule. C'est une formation illégale. Formation illégale. C'est ah ça. Non, faux départ. Faux départ blanc. Ah là, quel dommage parce que. Vraiment quel dommage parce que l'action, elle a été magnifique. Alors moi je vous dis toujours quatrième. Et on là, la saison des pionniers joue maintenant là. Voilà. Peut-être un temps mort côté Black P, hein, peut-être pour calmer. On sait que Adel là, il doit être fatigué. Peut-être un temps mort très smart, on va voir. La saison des pionniers joue maintenant, c'est simple. Et là, on l'a vu, le tracé corner ou le tracé out là. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu, il peut faire très très mal. On voit les DB. Allez, c'est parti. Le QB qui se calme, il pump. Oh, ça calme le panier. Oh, le panier qui va s'échapper. Ça va s'échapper. Incroyable. Il y a un flag. C'est catché, mais il y a un flag. Est-ce que le QB n'aurait pas franchi la ligne? Ouais, c'est ce que je me demande. Ou un O-line. Peut-être un O-line qui est monté sur le terrain, qui est monté un peu trop haut dans le terrain. Oh là là, les arbitres qui vont devoir prendre une décision incroyable. Oh, et Montagnier qui rate le sac. Oh là, il va s'en vouloir. Hein. On va voir au ralenti. Est-ce qu'il a dépassé pas, je pense que c'est le QB, soit c'est le O-line qui traverse la ligne de scrimmage. On va voir tout de suite. La faute, il se tourne côté BP. Il a faute dépassé. Côté pionnier, ouais. Soit le QB, soit le O-line a dépassé la ligne de scrimmage. Ah, c'est un O-line au-delà de la zone neutre, ouais. Voilà, ouais. Ouais. Ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Une minute. Très beau travail du QB là. C'est incroyable. J'ai même pas les mots. Ah ouais, là. Désolé pour vos oreilles si je crie dans vos oreilles parce que là c'est dingue. On a une fin de match. Match de l'année. C'est incroyable. Match de l'année, vraiment. Je sais que c'était Flash Black P, mais là. C'est incroyable. Incroyable. Allez, c'est parti. Allez, encore une fois, donc on le redit. Peut-être le dernier jeu de la saison pour les pionniers. Allez, dans les commentaires, on vous attend. Allez. Écrivez soit pionnier, soit BP. Écrivez soit pionnier, soit BP. En tout cas, c'est parti. Allez, attention. MT. Allez, il y a de la pression. Attention, Ranting. Attention. C'est loin. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini pour les pionniers. Quel dommage. Ah là 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 là. Il n'y a pas de flag sur le terrain. Il n'y a pas de flag. Ah, quel dommage pour les pionniers. Et là ils finissent. Ah, et là c'est dommage. Ah, vraiment, autant on est plutôt impartial. On n'est ni pour l'un ni pour l'autre, mais là, c'est dommage pour les pionniers. Pour le petit pousset. C'est ça. Et puis là même, il y avait un très très beau, très très beau match. Là vraiment les. Là faut pas s'en prendre aux arbitres. Non, là il y a rien à dire. Là vraiment. C'était incroyable. Et là les BP qui vont mettre le genou au sol. Ouais, et ça va être la fin du match. Il reste 56 secondes. C'est une fin de match incroyable. C'était incroyable. Fin de match incroyable. Franchement, n'hésitez pas à envoyer des messages aux joueurs des pionniers parce que là, ils vont être très déçus. Ils n'ont pas à rougir, ils ont fait un très bon match pour l'instant de l'année. Hein. Ouais. Un plaisir à commenter avec toi, Quentin. Ouais, moi c'était aussi, incroyable. Brice, un super match, hein, vraiment. Pour le coup, on va essayer à la fin du match. Brice va essayer d'aller prendre un peu la température avec. On va peut-être laisser les pionniers, sauf si certains veulent nous parler du match. Mais Brice va essayer d'aller voir les BP pour faire une petite interview de fin de match. En tout cas, voilà. Match terminé. Les BP vont poser le genou. Très très belle demi-finale. Les pionniers n'ont pas à rougir. Vraiment, forcément, il y a de la déception côté pionnier. Forcément, c'est une liesse de victoire côté BP. Le match est terminé. Ça se termine mal toujours. Il y a forcément toujours un déçu. Et c'est très compliqué pour les pionniers qui tout autant que les BP méritaient de gagner. Très très bon match, vraiment. Je pense que les deux équipes peuvent se féliciter, peuvent être fiers de leur parcours, peuvent être fiers du match. Il y a vraiment ça a été du beau football. Il y avait de l'intensité, il y avait du beau jeu, il y avait des beaux jeux offensifs, des beaux appels de jeu des deux côtés. Les Black Panthers vont en finale.
Donc deux finales d'affilée pour eux. La semaine prochaine, la CEFL. Et dans deux semaines, le 1er juillet, chez eux, la finale élite. Donc, voilà, belle finale. C'est un beau match. Moi, je félicite les pionniers qui ont fait douter les numéros 1 français. Donc, voilà, effectivement, ça se joue à pas grand-chose. Alors, ouais, les pionniers peuvent peut-être critiquer les choix des arbitres. Je suis pas bien sûr. Honnêtement, je trouve que le match a été plutôt bien arbitré. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fautes qui ont été non appelées ou appelées. Voilà, effectivement, faut dire ce qu'il y a. Le joueur est passé au-delà de la zone neutre. On le voit à la vidéo, il le verra lui-même. Voilà, hein, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. C'est toujours frustrant de finir comme ça. En tout cas, gros match de Jacquin, le numéro 24. Gros match de Mehdi Assi. Non, c'est pas Mehdi, pardon, excuse-moi. C'est Aurélien Dassi. Gros match de sa part. Gros match du QB, le numéro 4. Jason Gaines. Et puis, bah, côté BP, on va quand même souligner, malgré tout, malgré le turnover, malgré le fumble, on va souligner le bon match de Nicolas Kandar, qui a quand même mis 2 TD. Et puis défensivement, on va souligner la l'interception rappelée d'Adel Bavdil, qui était magnifique. Et voilà, bonne saison, bonne fin de saison des pionniers. Je rappelle qu'ils sont promus de D2. C'est pas évident, ils sont arrivés jusque là, ils ont failli créer la surprise. Ok, donc là Brice va faire une interview avec Adèle. C'est parti, on est avec Adèle, un match incroyable. Ouais, match incroyable, vraiment, ton pic à la fin, dommage, magnifique. Est-ce que tu as quelques mots pour nous, pour les spectateurs? Il y avait beaucoup de monde sur le chat, ouais. Environ 1000 personnes, donc voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose? Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, c'était cool, c'est un match tendu, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi serré. Mm-hmm. Et la defense c'est la balle, l'offense c'est la balle qu'on avait besoin, et du coup c'est grosse game, on est content d'être en finale. En finale, l'année dernière, vous avez perdu Flash au Flash. Ouais. Là, du coup, il y a le match actuellement, Flash contre Marseille. Ouais. Tu aimerais jouer contre qui? Franchement, peu importe. On a pas joué Marseille, on a déjà joué le Flash plusieurs fois, mais une finale ça se gagne, peu importe qui y aura, faut qu'on joue comme si on avait gagné quoi qu'il arrive. Donc peu importe, franchement bonne chance aux deux équipes. On a vu que le coach il s'est ajusté pendant la mi-temps. T'as été beaucoup sur le numéro 15 qui allait très très vite. Qu'est-ce que tu en as pensé du match avec lui? Let's go, la finale! C'était un très bon receveur en vrai, c'était un gros match-up, c'était cool. Voilà, j'étais beaucoup pas trop testé, mais quand j'ai été testé, j'ai fait mes jeux, donc je suis content vraiment. Je suis content, c'est un effort d'équipe, de vraiment la défense, c'est un bol de ouf. Il y avait des molosses dans le chat, est-ce que tu veux passer une dédicace ou même à ta famille pour finir? Ouais, force à ma famille, merci d'avoir regardé, merci pour le soutien, maman je t'aime. Et molosses les gars, on est ensemble, 9-2-8 toujours. C'était Brigitte André Coquin avec Adèle, numéro 25 des Black P, on s'attrape bientôt. Ouais, bah, l'interview de Adèle, voilà, hein, il a résumé. Juste avant de quitter, pour vous donner la petite info. Juste pour pour l'instant, le match Flash Blue Star, 14-7 pour les Blue Stars. Donc je rappelle que le match est chez eux. Donc voilà, le Flash vient de marquer 14-7. Donc voilà, on vous invite à aller voir le match toujours sur la chaîne de Sportmag ou sur la chaîne YouTube de la Fédération. Un grand bravo aux pionniers, un grand bravo aux Black Panthers. Bravo à la régie, parce que vous avez été beaucoup à souligner leur travail. Donc bravo à tout le monde. Et puis bon match, bonne fin de saison. Et puis on se revoit en finale pour les BP. Et vous verrez à la fin, d'ici quelques heures, qui rejoindra les BP en finale. Bon courage à tous, à bientôt. Au revoir.
Thank you.